En 10 ans, Top Chef est devenu le concours incontournable de la gastronomie française. Pour cette saison anniversaire, Jean-François Piège est entré dans la compétition et a formé sa brigade, tout comme Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarro. Ils ont tous le même objectif, avoir dans leur brigade le futur gagnant de cette saison d'exception. La semaine dernière, c'est Ibrahim qui a été éliminé et qui a donc quitté la brigade rouge. Désormais, Hélène Darroze n'a plus que deux candidats dans sa brigade, tout comme Michel Sarran, alors que Jean-François Piège et Philippe Etchebest ont toujours leur brigade au complet avec trois candidats. Ce soir, la guerre des brigades reprend de plus belle avec une première épreuve sous le signe de l'Italie. Les candidats auront l'immense privilège d'être jugés par une chef qui a marqué l'histoire de la gastronomie. La quatrième femme au monde à avoir décroché trois étoiles, Annie Féol. Annie Féol, c'est la grande dame de la cuisine italienne. Bonjour à tout le monde. C'est impressionnant de la voir là sur le plateau. Elle va défier les candidats sur deux spécialités qui ont fait sa renommée. Les pâtes. Freestylissimo. On compte sur toi, Alexia, hein? Forza, pasta. Et le tiramisu, qu'Annie Féol a rendu populaire dans le monde entier. C'est bon, ça y est, je vais grossir. La brigade gagnante sera directement qualifiée pour la semaine suivante. Les autres se rendront à Toulouse, sur les terres de Michel Sarro. Bonjour tout le monde. Et c'est dans l'un des restaurants du chef qu'ils se verront confier un nouveau défi. Le cassoulet de demain, faites-moi. Moderne, léger, le cassoulet du 21e siècle. Pour juger cette épreuve, le chef Sarran sera entouré d'invités de choix. On a été tous élevés au cassoulet. Big Flo et Oli, les stars du rap, ainsi que Maxime Médard et Johan Huger, les stars du rugby. Est-ce que vous retrouvez le goût du cassoulet? J'ai le goût. Allez, calme-toi. Au terme de la soirée, un chef éliminera sans le savoir un candidat de sa brigade. Alors, quel sera le prochain chef à perdre l'un des siens? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Cette année, vous le savez, c'est la 10e saison de Top Chef. Et pour cet anniversaire, vous êtes jugés par les plus grands. Aujourd'hui, la chef invitée a marqué l'histoire de la cuisine. C'est la première femme à avoir décroché 3 étoiles en Italie, la 4e de l'histoire. Voici Annie Féol. Annie Féol, c'est la grande dame de la cuisine italienne. Bonjour à tout le monde. Bonjour Annie. Bonjour. Annie Féol, c'est impressionnant de la voir là sur le plateau, avec ce tiramisu qu'elle a sublimé et rendu tellement populaire, tellement universel. Chef 3 étoiles en Italie, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Merci d'être avec nous en Top Chef. C'est un grand plaisir. Vous êtes 3 étoiles depuis 25 ans. Eh bien. Annie est française, vous l'avez entendu, mais ça fait combien d'années que vous êtes en Italie? Bientôt 50 ans. 50 ans. Donc la cuisine italienne n'a plus de secret pour vous? Non. Bon. Aujourd'hui, l'épreuve n'est pas évidente, puisque, chère Annie, vous ne voulez pas que les candidats fassent une assiette, mais deux assiettes, un plat et un dessert. Qu'est-ce que vous leur demandez? Eh bien, je vais leur demander des pâtes et ensuite du tiramisu. Ce sont deux plats populaires et j'aimerais que vous me fassiez de 3 étoiles en somme, pas moins. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Italie, mais on a face à nous une chef 3 étoiles. À mon avis, c'est pas les pâtes au beurre avec le gruyère qu'on se bouffe devant la télé, non. Ça met une petite pression, quand même. Exceptionnellement pour Top Chef, Annie Féol a accepté de nous dévoiler les secrets de l'une de ses recettes de pâtes, ainsi que ceux de son fameux tiramisu. Les pâtes ne sont pas très difficiles à faire, vous savez. Avec 3 ingrédients, on peut faire tout ce que l'on veut. Avec la technique, le bon goût et le cœur. On doit mélanger la farine avec les œufs et de l'huile d'olive. On peut s'amuser également à colorer les pâtes. J'ai fait une petite purée d'épinards et donc j'ai mis un petit peu de couleur. Ma farce est de la ricotta, des épinards et du parmesan. Et tout ça bien mélangé. Au lieu de faire des raviolis, je vais faire comme des bonbons. La cuisson est toujours très délicate et on doit suivre bien sérieusement.
La pâte, lorsqu'elle a trop cuit, a perdu son goût. Si elle n'est pas assez cuite, elle reste un petit peu dure et c'est une grosse erreur pour les Italiens. On y met un peu de crème de parmesan, un petit peu de sauge frite. C'est donc tout simple, mais drôlement bon. Le tiramisu, je l'ai rendu très populaire. J'en ai fait une montagne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, tiramisu ? Soulève-moi. Et donc, il va falloir être à la hauteur. Comment on doit faire le tiramisu ? On met des biscuits passés dans le café. Et puis après, on ajoute de la crème qui a été faite entre les jaunes d'œufs, montée avec du sucre, mélangée avec le mascarpone et ensuite mélangée avec les blancs d'œufs pour donner de la légèreté. Le chocolat, pour moi, doit être râpé. Il est vrai que le tiramisu est très bon, mais il est un petit peu simple, disons, comme il est présenté. Donc, messieurs, dames, j'attends de l'élégance. Si vous faites quelque chose de plus nouveau, je serai très heureuse de vous dire bravo, bravo, je n'aurais jamais pensé à ça. La cuisine italienne va mettre ce soir les nerfs des candidats à rude épreuve. Chacune des brigades va cuisiner simultanément un plat de pâtes et un tiramisu. Mais dans un premier temps, la chef Annie Feold ne dégustera que les pâtes. C'est bon, c'est très bon. Ça y est, je vais grossir. Et désignera le moins réussi. La brigade qui l'a réalisé aura alors cuisiné son tiramisu pour rien, car il ne sera pas dégusté et la brigade ne pourra pas se qualifier sur cette épreuve. Alors, vous l'avez compris, vous vous qualifiez avec le plat de pâtes, mais vous gagnez avec le tiramisu. Allez, forza, comme on dit en Italie. C'est parti. Allez, go. Allez, on y croit, on lâche rien. Je n'ai plus que deux candidats, mais je suis confiant. Pour réaliser les pâtes qui vont être déterminantes, je mise sur Samuel. C'est un véritable globe-trotteur. Aujourd'hui, c'est au Japon qu'il a élu domicile. Mais il a travaillé partout dans le monde, et notamment en Suisse italienne. Donc, les pâtes, ça le connaît. Avec ses bases solides et ses dressages millimétrés, j'y crois à nos pâtes 3 étoiles. Alors, les pâtes, ça me parle, pas de problème. Aujourd'hui, on est vraiment hyper motivés avec Guillaume pour gagner. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte de qualifier l'équipe. Donc, il est vraiment pas question de rater cette épreuve. Allez, Guillaume, ça va aller, on va y arriver. Samuel, il connaît le sujet, voilà, les pâtes, il sait faire. Donc, je suis confiant, j'ai confiance en lui. Et puis, de toute façon, j'ai toujours confiance en Samuel. Je sais qu'il arrivera à nous faire une belle assiette de pâtes et pouvoir me faire déguster sur le tiramisu. Bon, alors... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça commence tout juste et Philippe essaie déjà de nous déconcentrer. Ah, c'est bien, ça prouve qu'on lui fait peur. Bon. Alors moi, je pars sur une recette traditionnelle des pâtes au pesto. Comme le pesto vient de la région de Liguria, je vais faire donc les tagliarini. Donc ça vient de la région du Piémont en Italie. Ce sont des spaghettis très très fines, un petit peu plates. Après pour le pesto, donc basilic, ail, pignon, huile d'olive et un petit peu de parmesan. Ok. Ensuite, dans la recette traditionnelle italienne, il y a les haricots verts. Donc ça peut apporter un petit peu de croquant sur les pâtes. C'est un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de mettre, mais qui originellement est dans la recette. Ma façon à moi de rendre les pâtes gastronomiques, c'est de les cuisiner comme en Italie. Annie Feo, je pense que ça peut la séduire. Ok, le petit croquant du haricot vert. L'idée me plaît, ça va apporter un peu de fraîcheur, un peu de craquant aussi dans la pâte. Si tu as un bon pisto, une pâte qui est al dente, comme les Italiens les aiment, j'ai pas de souci. Et après, la présentation 3 étoiles. Oui. Que ce soit millimétré. Bien sûr, comme d'habitude. Allez, on lâche rien là, on lâche rien les jaunes. Hein. Oui chef, il faut surtout bien réussir la pâte, ça va être quelque chose de très important, de bien la laisser reposer, de bien la travailler. Pour ma pâte à pâte, je récupère de la farine 00, je la mets dans mon bol. Dans un autre petit bol, je rajoute mes jaunes et mon huile d'olive. Je bats tout ça ensemble pour avoir quelque chose de bien lié et je viens ajouter petit à petit mes jaunes sur ma farine. Ce qui est vraiment important pour la préparation des pâtes, c'est d'avoir une bonne proportion entre les œufs, la farine et l'huile d'olive pour avoir vraiment une belle texture, des pâtes qui vont bien sécher, qui vont vraiment avoir une belle consistance. Je la travaille un petit peu pour lui donner de l'élasticité. Hop là, ça devrait aller, je maîtrise. Je la réserve, je la mets au frais. Et ensuite, je démarre mon pesto. Donc le basilic, les pignons de pin, l'ail et l'huile d'olive. Il est comme je voulais, il est bien vert. Lascia Rémi cantare. Amène-nous la dolce vita. Samuel, vas-y. Mmh,
j'ai mis un pied en Italie, là. Si Samuel dose bien le mélange de ce pesto avec sa pâte, ça va donner beaucoup de goût et une très belle couleur à ses tagérines. En revanche, qu'est-ce qu'il a fabriqué avec sa pâte, là? Ça, je serais mieux. Ta pâte, tu l'as rentrée au frigo comme ça? Oui, j'ai pas filmé. Ça va faire quoi? Ça va sécher. Je le sais que je l'ai pas filmé, mais sur le moment, le stress, la précipitation, et le film est à l'autre bout de la cuisine, et je sais pas. En laissant sa pâte à l'air libre, il va avoir toutes les peines du monde à la passer au laminoir. Eh oh! Guillaume compte sur toi sur cette épreuve. C'est pas le moment de faire des erreurs de débutant, là. Samuel, nom d'un chien, tu le sais, pourquoi tu le fais pas? Ça va croûter très vite, tu le sais. Oui, mais là, du coup, je pensais la passer maintenant. À ce moment-là, je sais qu'il faut que je réagisse, mais je sais aussi que j'ai pas le temps de refaire une autre pâte. Là, j'ai une grosse pression par le chef. Donc maintenant, à moi de rectifier le joint laminoir. Ça va aller. Ah putain, t'as tant de merde. Ma pâte, je me rends compte qu'elle est vraiment difficile à passer au laminoir. Je me dis, là, t'as merdé. Ça se passe comment? Bah, c'est un petit peu sec. Tremble pas! Non, mais c'est que. Tu me fais peur, Samuel, là. Je la fais trop fine. Je la sens pas, là. Je la sens pas, l'histoire. Je suis très, très inquiet. Ah, elle est bien, ta pâte, là. On visite l'Italie, mais on n'a pas encore passé la frontière. Bon, mais ça va venir, ça va venir. Il y a des cols, tu sais que il y a des cols à franchir. Donc là, je pense qu'on est du côté de Monaco, c'est sinueux. Ah, ben oui, Monaco, c'est bien Monaco, vous pouvez y rester. Oui, mais j'aimerais bien aller en Ligurie, j'aimerais bien visiter un petit peu. Là, je sens qu'on n'est pas encore tout à fait là. C'est pas possible, là, sérieux. Allez, Samuel, courage. Dans ton ambassade, tu es seul aux commandes. La pression, tu connais. Alors, c'est pas des tagiarines qui vont te faire abaisser les bras. Même si elles sont un peu sèches, je sais que tu vas y arriver. Parce que sans pâte, le tiramisu de Guillaume ne sera même pas dégusté. Maintenant, le seul moyen de rattraper, c'est une cuisson parfaite. Oui. Et tout le reste parfait. Oui, chef. Allez, réagis là, réagis. Bien sûr. Papa, se mentir, je suis pas très confiant. Mais je sais que mes pâtes, je vais bien les cuire. J'ai confiance en ma cuisson des pâtes. Et mon pesto est bon. La cuisson, ça va être 2 minutes très très al dente, comme ils aiment en Italie. Aujourd'hui, la difficulté de rendre des pâtes gastronomiques, ça va être aussi le dressage. Donc j'ai envie de rappeler tout l'univers du pesto. Donc, j'ai mon parmesan taillé en triangle, des petites pousses de basilic et un petit peu de pignon haché. J'enroule bien mes pâtes, j'essaye de faire quelque chose de joli. J'essaye de faire ce que je peux, des petits pois de pesto. Ouf, il m'a fait peur Samuel, mais ses pâtes ne sont pas si mal. Et son dressage est bien parti. Là, je respire un peu. Victoire, elle est chez les Rouges. Hélène, je t'aime à l'italienne. Tu m'aimeras moins tout à l'heure quand on aura gagné. Oh, mamma mia, oh. Et oui, les garçons, je n'ai plus que 2 candidats, mais parmi eux, j'ai la spécialiste des pâtes, Alexia. Alors, la Brigade Rouge part avec un avantage de taille, je peux vous le dire. Alexia travaille avec un grand chef italien depuis plus d'un an et demi. Giovanni Passerini, il a vraiment son identité de terroir italien. On apprend beaucoup sur les pâtes, on apprend beaucoup sur les ragoûts italiens. Et puis, c'est quelqu'un avec qui je joue beaucoup. La pâte de ravioli, vous en avez assez? Ouais, on en a assez, on les a fait ce matin. Parfait. Alexia, c'est une fille qui est très sérieuse. Et surtout qui a aussi un esprit un peu combatif. Alexia, elle a cette envie de bouffer les étapes. Je suis assez discrète. Les gens ne s'attendent pas forcément à me voir au tournant. Et moi, je serai là. On va ensemble à Rome, mon poulet? Ouais, carrément, ouais. Je pense que ce serait pas mal pour le début d'histoire qu'on vit, là. C'est la brigade de l'amour. C'est l'amour et dans la cuisine, quoi. Moi, j'avoue que je suis trop stressée parce que je suis un peu attendue sur cette épreuve. J'ai quand même un énorme enjeu aujourd'hui. Là, c'est clairement mon épreuve. Si je me loupe, là, je me fais zigouiller, quoi. Voilà. Chez Giovanni, tu fais la pâte? Bah, j'ai fait le poste des pâtes pendant 6 mois. Donc, sur une moyenne de 100 pâtes par jour, presque. On va dire que, voilà, j'en ai fait pas mal, quoi. Je veux pas te mettre la pression, mais s'il y en a une qui doit réussir sa pâte, c'est bien toi. Hein. Ça marche, chef. Alors, tu m'expliques ce que tu fais? Donc, la carbonara, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Je vais faire en fait une raviole farcie avec un jaune d'œuf cru dedans. La surprise, voilà, c'est que c'est un cœur coulant à la découpe. Et pour faire une carbonara un peu plus moderne, je vais partir sur un petit bouillon parmesan guanciale. Donc c'est l'ajout de porc avec un petit peu d'oignon et de poivre. Puis je vais râper un peu de parmesan au-dessus. Ok, d'accord. Ça va. Là,
il n'y a plus de doute, notre tiramisu, il est dégusté. La recette d'Alexia, elle me plaît. La carbonara est complètement déstructurée. On n'est plus sur une pâte enrobée d'un jaune d'œuf. Là, on est sur un ravioli avec un jaune d'œuf qui va éclater dans un bouillon de carbonara. Il y a beaucoup d'ambition. Maintenant, il faut que je retrouve le goût de la carbonara. Donc je fasse juste ce qu'il faut, soit généreux et bon, voilà, c'est le principal. Je fais ma pâte, je le mets sur mon ventrail et je travaille. Juste que ce soit une belle pâte homogène. Forza pasta. La pâte est bonne quand il n'y a plus rien qui colle sur mon travail. Ensuite, je la mets reposer en dessous d'un torchon humide. C'est juste pour pas qu'elle sèche. Après, j'ai besoin d'un support dans ma raviole pour pouvoir mettre mon jaune d'œuf. C'est la pomme de terre. Qu'est-ce que tu veux faire, une pomme de terre écrasée ou une purée? Une purée. La purée de pommes de terre pour poser son jaune d'œuf, c'est très ingénieux. Elle retiendra le jaune sans alourdir la raviole et ne prendra pas le dessus sur le goût de la carbonara. C'est à ça qu'on voit l'expérience d'Alexia. Le jaune, il va être cru, mais il va cuire légèrement avec la cuisson de la raviole. La technique, en fait, c'est vraiment de refermer cette raviole et de la découper sans que le jaune se perce. Ça va, rien, plus rien. Ouais, c'est bien, c'est top, okay. C'est vraiment beau. Là, je pourrais lui dire ti amo quand je vois ça. Alex, son travail, pour moi, il est réussi. Et je pense honnêtement qu'elle va nous qualifier. J'ai 100% confiance en Alex. C'est son épreuve. C'est vraiment le moment pour elle de montrer ce dont elle est capable. Elle a mis l'œuf dedans, c'est ça? Ouais, ouais. C'est pas mal, ça. Hein, c'est bien, hein? Et oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu croyais, Philippe? Elle assure, mon Alexia. Reste plus qu'à faire le bouillon. Et grâce aux pâtes d'Alexia, je suis sûre que le tiramisu de Florian sera dégusté. Là, je prends juste la croûte du parmesan. En fait, c'est un peu le bouillon du pauvre en Italie quand il ne reste plus que les chutes de parmesan. Je mets du guanciale. Le guanciale, c'est la joue de porc. Voilà, c'est super gras, fondant. Donc le bouillon de guanciale, je mets à bouillir tranquillement, à frémir 30-35 minutes. Je ne sale pas, par contre. Je ne sale pas parce qu'on ne sait jamais si le guanciale et le parmesan rejettent trop de sel. C'est trop salé et là, on ne peut pas rectifier assez. C'est super bon. Ça va, chef? Ouais. La chef, elle a dit que c'est super bon. Une fois que c'est cuit, je mets mon guanciale un peu croustillant au fond de l'assiette. Je verse mon bouillon, je mets ma raviole et puis je râpe, je recouvre le tout de parmesan. Simplissimo, tout simple. Basta. C'est mieux d'en mettre qu'une que trois parce que deux, c'est pas très joli dans une assiette. Niveau visuel, c'est très joli, c'est élégant. Je suis confiante. Après, est-ce que la confiance va me jouer des tours? J'en sais rien, mais... Mais je suis confiante. Ouais. Ici, ça sent l'Italie. Hein. Ça sent bon l'Italie ici. Hein. Hélène, ne parade pas trop, parce que je te signale que moi, j'ai encore ma brigade au complet. Du coup, j'ai mis Camille sur le tiramisu, Damien et Maëlle sur les pâtes. Maëlle, au début du concours, a eu tendance à faire beaucoup d'erreurs. Mais dès qu'il est sous pression, il se transcende. Et la semaine dernière, en dernière chance, il me l'a encore prouvé. Sublime. Ce qu'on attend lors d'une dernière chance. Cuisson du veau parfaite, ça c'est le vrai point fort de l'assiette. Hein. C'est bien. Damien, lui, son atout, c'est sa créativité. Et il a même réussi à bluffer Pierre Gagnère avec son assiette de fruits de mer gastronomique. C'est excellent. Oh. C'est pointu, c'est vif, il y a un vrai goût construit. Bravo. Ensemble, Damien et Maëlle peuvent vraiment assurer. Ah, tu l'as fait la main, ta pâte. Les Italiens font comme ça. On m'a toujours dit, on fait comme ça, on fait à la main. Donc nous, on va pas changer les recettes aujourd'hui. C'est bien de faire à la main, hein, effectivement. Alors, il faut qu'elle soit bien souple, hein, bien sûr, hein, pour la travailler. Là, tu manques de liquide. Hein, ouais, il manque un petit peu de liquide. Ouais, c'est trop ferme. Oui, c'est, regarde, c'est sec. Là. Là, tu vas la remuer, hein, pendant des heures. La pâte est un peu trop sèche parce que là, j'ai oublié le vinaigre. Ça va mouiller et ça évite qu'elle s'oxyde. Et qu'il y ait des petits points noirs, en fait, qui se forment dans la pâte. Voilà, comme ça, elle est bien jaune et c'est plus beau, quoi, on va dire. Elle est pas trop mal, là, franchement. Alors, Maëlle, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer la recette? Pour cette recette, on part sur des tagliolini à l'évongole. Ok, très bien. Donc les coques, qui sont cuites comment? On va les cuire marinières, chef, avec l'ail et puis le persil à la fin. Ouais. Les pâtes, on les roulera dans le jus des coques, ça va venir donner un petit coup. Et puis pour l'élément 3 étoiles, on pense à une huile de persil pour venir lier nos pâtes avec les coques. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Ah, ils sont malins, mes petits. Ces pâtes à la vongolée vont être pleines de saveurs et de couleurs. Il y a tout pour régaler Annie Féold. Mais attention, c'est une recette simple avec peu d'ingrédients. Il va falloir que tout soit parfait, à commencer par la pâte. Tiens, touche pédette. Ah, très bien. Et je vais bien la parer, histoire que ça fasse un truc nickel.
Ensuite, je la passe au laminoir pour avoir une pâte qui est bien homogène, bien fine. On passe la pâte plusieurs fois jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée. Il faut être précis dans l'épaisseur de notre pâte, c'est ce qui va faire la différence. On n'a pas le droit à l'erreur et c'est important de prendre le temps de faire correctement les choses. Là, ça me paraît bien, moi. C'est parfait. C'est parfait. Faut que ça garde quand même un peu de mâche. Ouais, ouais, ouais. Franchement, j'ai l'habitude de faire des pâtes au resto et celles-ci, elles sont pas mal du tout. Hein. On décide de faire une petite cuisson test, de cuire les pâtes environ 2 minutes. On a fait les 2 minutes, là. Ah, elles sont bien. Franchement, elles sont bien. Elles ont de la mâche. 2 minutes, on est bien. 2 minutes, c'est vraiment très al dente. Mais Annie Féold mange à l'italienne, alors peut-être que ça lui plaira. Alors, parle-moi des coquillages un peu. Là, on les a mis à dégorger. Tu peux voir ? Oui, chef. J'espère qu'il n'y aura pas trop de sable. C'est extrêmement désagréable. Alors, quand tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, quoi. Tu mets de l'eau jusqu'à là. Plus il y a d'eau, et mieux c'est. Hein. Faut pas avoir peur de mettre de l'eau. Il faut changer l'eau régulièrement. Faut bien mettre les coques à dégorger dans un grand récipient avec beaucoup d'eau. Et là, je le vois avec un petit cul de poule, à peine un peu d'eau. Ça peut pas marcher. On les rechange la fois. Ouais, je change d'eau. Ouais, si le chef il passe et qu'il nous dit. Vous avez changé l'eau, les gars ? Du coup, on décide de changer l'eau, parce que s'il y a du sable dans la recette, forcément, ça va pas le faire. On le sait d'avance, on est mort. Et changer l'eau, c'est le minimum. J'espère que ce sera suffisant et qu'Annie Féold ne tombera pas sur un grain de sable. Alors là, je lance les coques en cuisson dans une réduction de vin blanc pour le côté acide. Rajoute l'ail que j'ai acheté tout à l'heure. Il faut que ça aille très très vite. Une chaleur qui aille très vite à cœur. Et comme ça, ça permet d'avoir un côté très iodé, un côté très marin et pas mal de jus qui viennent en bouche. Elle commence déjà à s'ouvrir. Belle là. Pour n'importe quel coquillage, à peine ouvert, faut aussitôt le sortir de cuisson. Faut surtout pas le surcuire, sinon ça devient vite caoutchouteux et on perd les arômes. Elles sont bien molles. Hein. Franchement, les textures, ouais. Elles sont bien. Texture, elle est bien et elles sont belles. Pour les décortiquer à chaud, pour vraiment garder le côté moelleux, on se brûle un petit peu les doigts, mais quand faut y aller. Puis c'est tout le temps où elle reste pas dans un jus de cuisson, et la coquille aussi, elle a concentré la chaleur. Donc on les sort de la coquille pour stopper tout de suite la cuisson. Ah, les coques, là, elles sont très belles, elles sont bien grosses, charnues, elles donnent pas mal de jus, là, et c'est vraiment bien. Allez les gars, sortez-moi des belles pâtes, hein, s'il vous plaît. Allez. Je pense que c'est beau. C'est beau, ça, comme ça. C'est très bien. C'est pas mal, ça. C'est joli, ça. Allez, c'est de la pâte 3 étoiles, là. Ça va, Camille ? Ouais. J'espère que cette victoire est enfin pour nous. On a nos chances de faire passer Camille avec son tiramisu. Viva Italia ! Eh, qui va piano, va sano, va lontano. Nous aussi, on va faire honneur à l'Italie. Jusqu'ici, on s'est toujours qualifié en premier. C'est pas maintenant que ça va changer. Et allez, les gars, allez-y, là. Hein ? Allez. Pour cette épreuve, j'ai décidé de confier à Baptiste le tiramisu et de mettre Merwan et Anissa sur les pattes. Merwan a de très bonnes idées, mais il est un peu dissipé. La semaine dernière, lors du relais, ça lui a joué des tours. C'est Anissa qui est à la fois très technique et rigoureuse qui lui a sauvé la mise. Donc pour moi, ce sera les verts. Bravo, bravo. Et s'ils arrivent à mêler la précision d'Anissa et le petit grain de folie de Merwan, ils peuvent me faire des pattes dont on se souviendra. Tac, tac, balabou. Merwan est parfois un peu foufou, un peu dispersé. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très, très carré. Et j'espère qu'on va réussir à avoir une vraie cohésion d'équipe pour avoir le meilleur rendu possible. Donc, racontez-moi ce que vous allez faire. On va changer la forme des bolognaises. Là, on part sur des agnolotis. J'adore. C'est vrai ? Ouais. Là, je suis content. Les agnolotis, ce sont des pâtes farcies du Piémont très typiques. Par contre, ils n'ont pas choisi la facilité. Leur technique de pliage ne s'improvise pas et demande une grande précision. La farce, tu l'as fait comment ? La farce, je vais la faire classique, chef. Oignon, carottes, tomates, bœuf haché. Et je pense que je vais faire un bouillon de tomates Green Zebra. Ça va apporter une touche d'acidité, de fraîcheur. La fraîcheur, c'est parfait. C'est une bonne idée, hein. Mais quand le goût est respecté. Hein. Les pâtes italiennes, elles ont du goût. Hein. J'aurai du goût, chef. Voilà. S'il y a du goût, il y a du sentiment, c'est parfait. Et tu maîtrises la pâte, Anissa ? J'en ai pas souvent fait, mais j'en ai déjà fait. Tu sais que c'est le moment le plus important. En Italie, on dit que c'est au moment où on travaille la pâte qu'on va lui donner sa texture finale. Le geste, il est pas bon, là. Ce que tu fais, ça sert à rien. Tu dois fraiser. Tu fraises, voilà. Ah, tu fraises. Fais-toi les bras. On dirait pas, mais c'est dur à faire les pâtes, hein. J'ai un peu chaud. Voilà, moi, j'ai pas le droit d'abandonner parce que c'est un peu l'élément principal de notre plat. C'est bon, Anissa ? Ouais, ça va être bon, là. Et elle est pas mal, cette pâte. Mmh. Dis donc. C'est bon ? Ça va être bon, ouais. T'en es où, Merwan ? Là, j'attaque la farce, j'ai lâché la viande. Je vais commencer à cuire ma farce.
On va essayer de faire la bolognaise à l'italienne. Je décide de partir sur la bolognaise classique, oignons, carottes, un peu d'ail, des aromates, bouquet garni. Je fais essuyer l'ensemble, je laisse compoter tout ça. Ça c'est bon ça. Là, on va commencer à garnir les pâtes, donner la forme qu'on souhaite pour faire les agnolotti. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de pâtes. Là, vraiment, Annie Féol, je sais que c'est quelque chose qu'elle aime et c'est quelque chose de chez elle. Donc là, c'est la petite dédicace, mais je suis pas trop dans mon élément. Putain, je suis pas trop satisfait, là. L'appareil, il est un peu liquide pour faire ça. C'est pas ce que j'espérais. Quand je me mets à farcir mes agnolotti, moi, je vois des débuts qui ont un petit problème. Papa, t'es en train de péter, là. Fais des raviolis normales, non? Attends, on verra, j'essaye. J'ai vendu des agnolotti, je veux faire mes agnolotti. Je les ai annoncés, je veux les sortir. Je recommence. Oh mon dieu! Putain! Ça passe ou pas? Là, quand je vois les pâtes qui coulent, je me dis que bah, c'est une idée vraiment à la mort moelle. Ça me gonfle un peu. Je suis pas trop dans mon élément. Là, je suis un petit peu comme un poisson-chat au milieu du Sahara. Là. Alors? Pas terrible, chef. Hein. Pas terrible? Ah, vous avez une chance aujourd'hui. Hein. On a une chance d'y arriver, tu crois? Uniquement quand nous on se plantera, chef. Prétentieux. Non mais attention, hein. Tu prends une mauvaise direction, je te le dis. Tu veux pas qu'on fasse des ravioles au cas où? Hein? Attends, je vais voir ça. En fait, je suis juste dépité, quoi. Alors, on peut changer avant d'utiliser toutes les pâtes et en refaire une quinzaine. On peut faire directement des ravioles. Il reste 15 minutes. On a une hyper grande chef qui va venir goûter nos plats. Mais en fait, on n'aura rien à dresser sur l'assiette. Je suis désabusée, là. Merwan, si tu vois que vous êtes court, assure les raviolis, hein. Ouais. Hein? Chef. Là, il faut assurer, hein. Ravioli, basta cosa. C'est de la merde, merci, au revoir. On part sur des petites ravioles bolognaises. Je sais que ça sera beaucoup plus facile à cuire et à présenter. De toute façon, on n'a pas le choix, il reste que quelques minutes, il faut sortir une assiette. Je décide de faire l'idée que j'avais proposée 15 minutes auparavant. Vous êtes bon en temps là ou pas? On n'est pas du tout en avance là. Freestylissimo! Et aujourd'hui, si on a la victoire, c'est vraiment qu'on a le cube en dénouille italienne. Eh, vous en êtes où d'ailleurs? Ça va ou c'est short là? C'est la merde, laisse tomber ton tiramisu. Oula doucement. Ce n'est pas parce qu'ils ont revu à la baisse leurs prétentions que Merwan doit être défaitiste. Avec Anissa, ils ont réussi à rebondir et Baptiste a toutes ses chances d'être dégusté. Et c'est important. Car s'il fait le meilleur tiramisu, c'est toute la brigade qui se qualifie pour la prochaine semaine. Baptiste, c'est un orfèvre, artiste des fourneaux, qui allie technique et sens du détail. C'est d'ailleurs ce qui m'avait donné envie de le prendre dans ma brigade. Ce plat n'est pas simplement beau, il est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création, c'est l'inventivité. Et c'est ça qui me plaît dans cette assiette. Alors, réinventer la forme d'un dessert familial comme le tiramisu et le rendre 3 étoiles, c'est plus qu'à sa portée. Bah pour l'instant, on a tout gagné, donc je fais confiance à mes collègues pour au moins être, voilà, être sélectionné. Et après, tout le travail reposera sur moi, donc je fais vraiment le maximum. Je sais pas si tu bosses, mais tu parles. Hein. Donc, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu me racontes? Je vais faire un biscuit cuillère, qu'après, j'imbiberai au café. Ensuite, je vais faire ma crème mascarpone tiramisu de base. Et puis après, je vais faire une tuile cacao cerclée pour lui donner une forme verticale en contenant. L'idée, c'est de faire un tiramisu qui est un visuel d'un gros grain de café. Elle a parlé de changer le visuel, donc d'accord. C'est ce que je m'attelle à faire. Ouais. Ok. Ça me parle. Le café, c'est un élément qui compose le tiramisu. Alors l'idée de présenter ce dessert sous la forme d'un grain de café, ça me plaît. Donc là, pour commencer, je vais faire mon biscuit cuillère. C'est le biscuit qu'on va retrouver dans le tiramisu, donc la base. Je blanchis les jaunes. De l'autre côté, je fais monter mes blancs. Ensuite, je vais réunir les deux appareils. Je vais amener un petit peu de farine délicatement dessus. Et une fois que ça, c'est bien mélangé, je le plaque et je le mets au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et top. Il est pas trop épais, c'est ce que je voulais. Le biscuit doit être bien aérien pour absorber ce café qu'on va lui apporter. Ah, puis là, en plus, ça se voit qu'il se gonfle, il se gorge. Il y a de la gourmandise, là. Ensuite, je fais ma crème mascarpone. Moi, j'ai changé la recette pour mettre une crème montée et pour donner plus d'air à la recette qui, normalement, est beaucoup plus riche. Il faut qu'elle soit bien montée. Là, on y est. Alors, j'ai la texture parfaite. Ma crème est prête, mon biscuit est imbibé, il me manque la tuile. Et c'est le plus important. La tuile, c'est l'élément qui va faire tout mon visuel. C'est une tuile cacao. J'ai déjà travaillé, mais jamais dans cette forme, jamais dans ce contexte-là. Toute la difficulté de ma recette se passe vraiment ici, dans cette tuile, parce que le but, c'est qu'elle soit ovale.
et verticale. Comme un grain de café. Donc si jamais elle tient pas ou qu'elle se casse, et bah en fait mon dessert n'existe pas. T'es dans les temps là ? Ouais, c'est bon, il me reste que le grain de café, chef. Ouais, dépêche-toi parce que c'est pas le tout d'avoir envie de le faire, mais il faut le réussir. Hein. Chef ! Vas-y, hein. Là, c'est la partie la plus technique. Ah, j'aurais pas dû le graisser, ça. Ça va pas marcher, putain. Le papier cuisson, pour être sûr que la tuile ne colle pas, je l'ai un petit peu graissé. Et quand j'étale la tuile, cette matière grasse que j'avais mise empêche la tuile d'adhérer correctement à mon moule. Donc à ce moment-là, gros coup de stress. Ah, ça va pas, ça va pas être net, ça va pas aller. Putain. Je panique un petit peu, le temps défile. Oh là 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 là, putain. J'ai vraiment peur que la tuile ne sorte pas. Putain. Tu me fais peur, hein. La promesse risque de pas être tenue, là, pour le coup. Si j'ai pas la tuile, j'ai pas le visuel. Si j'ai pas le visuel, j'ai pas le tiramisu et pas la victoire. Je suis un petit peu... J'y crois moyen, là. J'essaye de trouver une solution. Mais je la trouve pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer de stratégie parce que je crois que j'arriverai pas à faire mon grain de café. Je vais mettre mes tuiles à cuire. Je décide de les laisser à plat. Déjà, je vais cuire la tuile. Je sais que quand elle sera à mi-cuisson, encore un peu chaude, je pourrai la manipuler. Je vais réessayer de lui donner la forme que je veux à ce moment-là. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai besoin de cette tuile. Je les mets à cuire pendant 7 minutes à 170 degrés. Là, mes tuiles, elles sont mi-cuites. Elles vont pas se casser, elles vont se détacher. Je les sors du four et là, je les mets à l'intérieur de mon emporte-pièce ovale pour me permettre d'avoir cette forme de grain de café. Voilà. Je l'ai. Yes, il sera là, le grain de café, les gars. Franchement, sur ce coup-là, Baptiste est bien battu. Avec cette tuile, il aura un beau visuel de grain de café. Si le goût est là, à nous la qualification. Allez, les gars, hein, je compte sur vous. Hein. Chef ! Eh, Michel, n'oublie pas, le tiramisu, c'est Annie Féol qui l'a inventé. Hein. Ça ne nous impressionne pas, Jean-François. Moi, je compte sur Guillaume pour le réinventer. Et il a intérêt d'assurer, parce qu'avec les pâtes au pesto de Samuel, c'est sûr qu'on va être dégusté. Guillaume est chef d'un restaurant gastronomique. Lors de l'épreuve avec François Perret, il m'a prouvé qu'il aimait la pâtisserie et qu'il avait de la technique. Alors, ce tiramisu, tout naturellement, c'est pour lui. Mais à voir sa tête, je me demande si j'ai fait le bon choix. Qu'est-ce qui te perturbe ? Qu'est-ce que t'as ? Ça m'énerve. Hein ? Ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve ? T'en as déjà fait, toi, du tiramisu ? Non. J'aime pas le café, je peux pas manger de tiramisu. Ok, Guillaume. T'aimes pas le tiramisu ? T'as jamais fait de tiramisu ? C'est pas le problème, envoie du bois là. Prends pas cette mine de combat perdu. C'est pas grave. Je suis ronchon. C'est une décision du chef Saran d'avoir mis Samuel sur les pâtes et moi sur le tiramisu qui est le seul dessert que je déteste. J'aime pas le café donc je peux pas le boire, je peux pas le goûter. Je supporte pas ça quoi. Je veux que tu trouves la solution pour me faire quelque chose de magique. Là, faut que je réfléchisse. Je vais avoir un gros travail pour le motiver là, pour qu'il s'approprie cette épreuve et qu'il donne tout. Je veux du solide, du guerrier là. Chef. Le tiramisu, c'est une surcouche de biscuits trempés au café avec une crème mascarpone et du cacao saupoudré par-dessus, donc ça reste assez simple. Mais le rendre élégant, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir le faire. Ce sur quoi tu dois travailler, c'est sur le waouh que ça va créer quand elle va voir l'assiette arriver. Parce que c'est toi qui vas qualifier tout le monde. Hein. Ouais, je sais. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je sorte une belle assiette parce que c'est sur mon assiette que tout va se jouer. Quoi. Alors. C'est bon, je l'ai. Tu l'as ? J'ai une base d'idées. J'essaie de faire un sabayon à la mascarpone. Ce qui peut faire la différence, c'est la texture et le goût du mascarpone. Et en même temps, le visuel, on va l'apporter avec un biscuit imbibé en dessous. Bien net. Un pochage à la poche à douille à Saint-Honoré. Je vais faire une meringue au café. Très fin, très léger, pour amener un côté esthétisme. J'espère que c'est ça qui fera la différence. Si c'est bien net, c'est magnifique. Ça peut le faire. Il y a de l'esthétique, il y a de l'élégance. Je pense que j'ai réussi à le regonfler un peu. Il revient dans le concours, là. Tu reprends confiance un peu, là ? Tu te sens mieux ? Confiance, je sais pas, mais... Je fais tout bien pour sûr que oui. Tête de breton, tête de cochon. T'y crois à ton truc. Si t'y crois, il sera pas bien. Alors t'y crois. On va faire ça tout de suite. Donc pour faire ces meringues, je vais monter les blancs en neige, en temps pour temps. Allez les gars là, allez. Je rajoute de l'extrait de café. Une fois que l'appareil a une bonne texture, je les étale à la poche à douille très fine. Je vais tout faire pour que le dressage soit parfait et que ça corresponde à ce que je recherche. Mes meringues, je vais les mettre à cuire à 100 degrés pendant une demi-heure. Et en même temps, je commence à dresser.
Ouais, je me dis que là, mon tiramisu, il a intérêt d'être parfait parce qu'il risque d'être dégusté, quoi. Tiens, grand. Tu me dis, c'est bon, c'est bon. Allez, on est dessus, Guillaume. Quand on n'aime pas le café et qu'on fait un gâteau au café, ben, on fait goûter au copain qui est à côté. Là, j'essaie de déposer mes biscuits bien précis sur mon assiette pour venir pocher après ma crème dessus. Et après, au dernier moment, je vais sortir mes meringues café. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire la plus belle assiette que je peux et puis on verra bien. Hein. Finalement, Guillaume, pour son premier tiramisu, bah, il se débrouille pas trop mal. Annie, elle va dire « ma que bonne, le tiramisu !»« Mamie, allez-y les garçons, on donne tout !»« Ciao Bella, ciao !» Michel, je le vois qui fanfaronne, mais à sa place, je m'inquiéterai. Avec les pâtes carbonara d'Alexia, Annie Féold va se croire en Italie. Et Florian, je sais qu'il va tout faire pour nous épater avec son tiramisu. Alors, tu m'expliques ce que tu fais ? J'ai une idée très perchée. J'aimerais reconstruire l'idée d'une petite forêt, mais avec le goût d'un tiramisu. Je veux vraiment avoir le visuel de comme une petite forêt morte, un peu. Une forêt morte ? Ouais. Pourquoi morte ? Je sais pas, peut-être dire en forêt. C'est, on est plus positif quand même, non ? Oui, chef. En fait, je vais faire comme des troncs qui seraient posés ici et là. Le biscuit, je vais le plier, ça va avoir l'aspect d'un tronc et je vais venir le garnir avec mon mascarpone café à l'intérieur. Je vais venir faire des racines, je vais faire fondre un petit peu de chocolat, aussi infuser un peu de fèves de tonka. Et pour finir vraiment l'aspect visuel de la forêt, je vais faire un crumble au cacao qui va faire cet aspect de terre. Ça au moins c'est sûr, c'est du jamais vu. Son idée peut séduire la chef Annie Féold, mais il faut que ce soit parfaitement réalisé. Sinon, ça peut aussi être très kitsch et pas du tout 3 étoiles. On y croit, hein, hein les ça, rouges, hein. Ce qui est bien, c'est que sur cette épreuve, même moi, je me fais peur quand je parle de ce que je veux faire. J'espère que ça va pas être un gros bide. Je veux pas aller trop loin, mais en même temps, je me dis, c'est ce qu'on veut, c'est ça, la folie Top Chef. Essayer des choses, faire des choses, et ça passe ou ça casse, quoi. Là, c'est de la crème de marron pour faire mon siphon mascarpone. De la crème de marron ? Mais de quoi il parle, Florian ? Tu vas me mettre des marrons dans le tiramisu ? Ouais, ça va être la petite touche en plus, chef. Je décide de mettre de la crème de marron parce que c'est quelque chose qui va structurer la crème, qui va apporter une belle épaisseur. Si ça a trop goût de marron, moi je pense que ce sera éliminatoire. Hein. Je veux trouver le goût du tiramisu. Hein. J'en suis conscient, chef. D'accord. La crème de marron, s'il la dose mal, elle va se sentir, on va vraiment avoir le goût du marron. Et ce sera un hors-sujet parce qu'on veut le goût du tiramisu. Le chef d'Arose, elle a émis des doutes. C'est juste à moi de faire en sorte que ces doutes disparaissent au moment de la dégustation. Je mélange la mascarpone, la crème de marron et le café. Qui va vraiment apporter le goût que la chef recherche. Alex, ouais. Si tu veux un café, tu me dis. Je suis dessus, là. Je goûte et je me dis qu'elle a peut-être raison. Ça me manque encore de café. Je préfère la laisser refroidir puisque je vais la servir froide et la rectifier une fois qu'elle a la température voulue. Sur cette épreuve, je mise beaucoup sur le dressage, sur l'idée vraiment de refaire cette forêt. Là, j'imbibe mon biscuit, je le roule pour lui donner la forme un peu de tronc comme ça. Je prends mon biscuit que je roule autour de supports de siphon. Ça marche, ça me fait des rouleaux réguliers. C'est vraiment ce qui va aussi donner du volume et une impression d'épaisseur. Ça, c'est du chocolat fondu. Je vais faire les racines avec pour vraiment faire cet esprit de forêt. Là, je prends le risque de brusquer la chef qui va nous juger aujourd'hui. Je suis au bout de mon idée. Elle va se dire, ce mec est fou. Mais je pense que ça ressemble à des trous. Hein. Moi, pour moi, ça ressemble. Plus ça va, plus je me dis que ma folie, elle est peut-être pas trop mal. C'est intéressant ce dressage, c'est esthétique, ça raconte une histoire. Bravo, je suis contente et je suis fière. Tu me mets de la crème hein, par contre. Hein. Là, la petite crème mascarpone, je suis assez content, je pense qu'on est pas mal et je vais voir avec Alex. Tu pourras goûter ce bleu. J'arrive. C'est cool, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. On est d'accord. Hein. Ouais. C'est bien, vraiment le café est plus en valeur, ça refroidit. Je suis assez content. C'est le dessert de l'amour. Ti amo, ti amo, ti amo, ti. Je me dis, vas-y, gagne la pâtisserie avec le tiramisu. Je pense que la prochaine épreuve, ce sera sans moi. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella ciao. Hey, hey, bella, hey, hey. On n'est pas en Russie, on est en Italie. Que veux-tu, Hélène ? J'ai le cœur à chanter, moi. Les pâtes à la vongolée de Damien et Maël ont tout pour séduire Annie Féold. Quant à ma petite Camille, elle se démène pour réaliser le tiramisu gagnant. Et elle en a fait du chemin depuis sa victoire dans Objectif Top Chef. Merci beaucoup.
J'espère de tout cœur que je vais pas vous décevoir, chef. Et franchement, cette gamine m'épate. Pour l'instant, elle a toujours cuisiné avec d'autres candidats et elle a su plus d'une fois redresser la barre quand il le fallait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de la mettre seule aux commandes. Cette épreuve du tiramisu, je me sens plutôt bien. Et les gars, je compte sur vous, hein. Mon tiramisu, il va être mangé aujourd'hui, hein. Ce sera le cas. Même si j'ai le droit de demander conseil à mes collègues, je me retrouve seule. Donc forcément, c'est une pression supplémentaire. C'est important pour moi d'être seule aujourd'hui et ça va me permettre de prouver de quoi je suis capable. Alors qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, explique-moi. Je vais faire un dressage assez sphérique au niveau du design. Je vais faire une demi-sphère de mousse mascarpone avec une demi-sphère de biscuits imbibés, de café ristretto bien fort que les Italiens aiment. Un truc étonnant pour revisiter le tiramisu. Pourquoi pas? Très bien. Pourquoi pas? Il faut que ce soit joli, c'est tout. Camille prend des risques, elle veut dresser sous forme de demi-sphère. Mais le mascarpone, comme c'est très gras, ça a du mal à prendre et à garder la forme qu'on veut lui donner. Tout va se jouer sur le temps de refroidissement et franchement, ça ne me rassure pas. Le chef Etchebest, ça a l'air un peu inquiet sur le dressage, mais je pense que c'est important de le faire aussi à notre façon. Pour moi, c'est une bonne idée. Après, il faut que ça tienne et qu'au moment de la dégustation, ça ressemble pas soit à une flaque, soit à un gros pâté, quoi. Ça, la mascarpone. L'appareil à mascarpone, c'est important de le faire au début parce qu'il faut qu'il ait le temps de prendre déjà. Et puis, on aura quelque chose de beaucoup plus aérien, quoi. Pour cette crème mascarpone, je blanchis 4 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre. Je les fouette très fortement pour que le mélange blanchisse. Puis j'ajoute 250 g de mascarpone. Du coup, il faut que la mascarpone soit bien diluée dans le mélange. J'incorpore mes blancs en neige vraiment très fermes. J'ouvre une gousse de vanille. Je vais juste mettre quelques grains. Et c'est juste un petit plus pour les papilles de la chef. Je mets les moules demi-sphère remplis de mousse mascarpone en cellule de refroidissement. Mais mets-le droit, il faut qu'il soit droit. Fais gaffe, c'est pas très droit. Tu vois, ça penche ton truc. Voilà, c'est bon. Ok. En fait, tout va reposer sur cette demi-sphère de mousse mascarpone, parce que là, si ça prend pas, c'est mort, c'est fini, quoi. Donc ça met une pression supplémentaire, parce que c'est aujourd'hui que je dois prouver les choses, et en plus, c'est moi qui fais gagner ou qui fais perdre l'équipe. Oh là 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 là. Grande catastrophe. Le moule silicone, il s'est replié sur lui-même. C'est parti en cacahuète. Bah, la mousse mascarpone n'a pas tenu, donc c'est une dédicace au chef. Je me suis dit, Camille, tu vas te faire disputer. Oh, mais je lui ai dit... Il va pas être très content, parce que j'ai été prévenue. Qu'est-ce que t'as fait? Je te l'ai dit, je te l'ai dit, Camille. Mais oui, je te l'ai bien dit. Sûr. C'est le moule, il a fini comme ça. Allez, tant pis. Trouve une solution. Démerde-toi. C'est le moment de réagir. Je recommence avec un moule qui est un peu plus dur sur les côtés. Allez, vas-y, sors-moi un truc. Mais ça a un temps de prise qui est quand même considérable. Et ça peut partir à tout moment en vrille. Ah, ça m'énerve. Quand elle a mis sa préparation au frais, elle aurait dû s'assurer que le moule était stable. Ce mascarpone, c'est toute sa recette. Si elle ne l'a pas, elle n'a aucune chance de nous qualifier. Elle a intérêt à rattraper le tir, et vite. Là, ça va prendre, normalement. Le chrono tourne très vite, donc je commence à sortir mes assiettes, à mettre une fine poudre de cacao, juste pour la décoration. Je récupère mes biscuits. Du coup, pour dresser, j'imbibe mes gâteaux, je vais les laisser sur un torchon pour pas que ça coule dans l'assiette. Je récupère ma mousse mascarpone. Alors, je vais essayer de démouler. Et là, j'ai à peine le temps de me retourner. Donc en fait, bah, la moitié a déjà coulé au fond de l'assiette. Oh merde, 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 merde. Ça coule, hein. Attention, dernière minute. C'est mort, les gars. Allez, je compte sur vous. Hein. Là, je suis en train de saupoudrer des amandes mixées avec du cacao. Mais c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Les finitions, nickel, hein. Le chef. 20 secondes. Allez, 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 allez. On a réussi à sortir avec quelque chose, c'est pas ce qu'on voulait sortir au début. Visuellement, ça va pas du tout. 10 secondes. Je veux de la crème, hein. Il y a très peu de chances que ça passe. 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé, enlève les bras. Je te sens liquéfié comme un minestrone. Je suis déçue parce qu'ils ont fait un taf de fou à côté et que bah, je vais peut-être mettre en l'air le truc. Donc c'est dur forcément. La chef triplement étoilée Annie Féold va maintenant déguster les plats de pâtes des 4 brigades et en éliminer un. La brigade concernée ne pourra pas présenter son tiramisu et aura donc cuisiné pour rien. Chère Annie, est-ce que vous avez faim? Bien sûr. Toujours pour les pâtes? Exactement.
Allez, on commence. Voici raviolo façon bolognaise et eau de tomate green zebra. Je suis plutôt satisfait, même si c'était pas la forme de pâte que je voulais dès le départ. Ça change rien au goût, quoi. Donc voilà, on croise les doigts. Voilà, j'espère que ça passera. C'est très bien présenté. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est joli parce qu'il y a une assiette sombre avec de beaux raviolis dedans. Ça fait une belle différence de couleur, donc c'est très joli. Elle n'a pas goûté encore. Elle n'a pas goûté ça. Ce petit bouillon a beaucoup de goût. Très agréable. La pâte est un peu dure, c'est dommage. Mais l'intérieur, avec la viande, c'est bien. Même si ça n'est pas comme d'habitude, c'est tout à fait différent. Mais c'est ce que je leur avais demandé. Donc la prise de risque vous a plu ? Oui, c'est d'une belle créativité et donc j'aime beaucoup. Bravo. Allez, hein. Finalement, on s'en est quand même pas trop mal sorti. On a vraiment toutes nos chances de pouvoir faire goûter le tiramisu que Baptiste a fait. Donc je suis plutôt super contente. Après, je me dis que j'espère que le zigoto à côté, il aura vraiment assuré et que son dessert sera juste parfait. On passe à la suivante ? Bien sûr, s'il vous plaît. Annie, voici les tagliatelles à la vongolée. Ah, bien. C'est parti. Notre assiette, elle peut plaire parce que c'est quelque chose de gourmand et d'équilibré, mais la cuisson des pâtes, la cuisson des coques, c'est là-dessus que ça va se jouer. Première réaction sur le visuel, chère Annie. C'est très joli. Il y a de belles couleurs. C'est agréable. Je vais goûter ça déjà. La pâte est peu cuite. Peu cuite, peu pas cuite. Assez. Trop al dente. Ah, putain. Les crustacés sont cuits comme il faut. Malheureusement, il y a pas mal de sable. Bon, les gars, allez. Putain. C'est le grand problème à chaque fois qu'on fait ça. Avec les coquillages, d'éviter le sable. Ça n'est pas facile, non. C'est bon, mais pas trop. Putain, au moins ça a le mérite d'être clair. Ouf. Je pensais qu'on était bien en fait, non? Oh punaise! Tout n'est peut-être pas fini, hein, mais je sais pas trop où je suis. Voici la réinterprétation de la carbonara. Allez, à nous, hein! Ah, ravioles de jaune d'œuf, pommes de terre, bouillon, guanciale, parmesan. Merci beaucoup. Oh là là! Moi, je suis très très contente du visuel en tout cas. C'est vrai que j'ai un peu déstructuré la chose, mais je pense pas non plus être complètement hors thème. Et en plus, je pense que je peux marquer des gros points sur la cuisson, l'assaisonnement, la fabrication de la pâte en elle-même, quoi. Alors, déjà visuellement, chef. La première apparence est peu colorée. Ça vous plaît ou pas ? Pas tellement. Alors, goûtons. Oui. Il y a le jaune d'œuf. Très agréable. Et cette pâte, comment elle est ? J'y retourne. Ah, ça c'est bien. Parce que je suis tellement surprise. La pâte est bien moelleuse, plus fine que les autres. Très agréable. Et sa cuisson ? La cuisson de la pâte est bien faite. Elle mange tout quand même. Hein ? Ouais, c'est la première assiette qu'elle finit. Alors vous vouliez être surprise. Est-ce que vous êtes surprise en bien ? Oui, bien sûr. C'est une grande surprise. Arrêtez-moi parce que sinon je continue à manger. Ben je vois ça, le goût. Vous y allez bien. Ça fait plaisir. Bravo. Je vois que vous avez le sourire. Bien sûr. Alors voici des pâtes au pesto de Liguria. Aujourd'hui, j'ai misé sur le côté traditionnel. J'ai tout mis sur le côté italien de mes pâtes. Il faut séduire la chef Eold. Ça peut passer. Alors, déjà ce dressage. Voilà une jolie présentation. Très belle présentation. Qu'est-ce qui vous plaît ? Le vert qui est très nécessaire, bien sûr. On voit bien les pignons. Tout est vraiment bien fait. D'accord. Alors maintenant, je vais goûter. Les pâtes sont bien faites. C'était mal barré avec ta pâte, hein ? T'es mal barré, toi. Est-ce que la cuisson vous satisfait ? Si. Ces petits haricots verts, en plus, sont très bien pensés. Ça donne un peu plus de fraîcheur.
Maman, ah ouais, bravo, 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 bravo. J'apprécie beaucoup, super. Bon, bon, allez, voilà, c'est bien. Allez, bravo. Annie Féold va désormais désigner l'assiette de pâtes qu'elle a le moins appréciée. Elle ne dégustera pas le tiramisu de la brigade concernée. Chef, quelle assiette vous ne retenez pas ? Avec un grand regret, ce sont les pâtes au vongolé qui ne m'ont pas convaincu. Ouais, c'est normal. Pas de surprise, pas de surprise, c'est normal, c'est normal. Forcément un petit peu déçu, mais lucide sur la situation, quoi. Quand il y a du sable et qu'il y a un manque de cuisson sur les pâtes. Au final, j'aurais travaillé pour rien aujourd'hui. Je serais vraiment cassé la tête pour rien à essayer de trouver des solutions. Mais bon, c'est peut-être mieux comme ça, parce que vaut mieux rien servir que de se faire ridiculiser, quoi. La brigade de Philippe Etchebest participera donc à la prochaine épreuve. Bon, allez! Pour les trois autres brigades, il reste une chance de gagner directement une place pour la semaine prochaine. Nous allons maintenant passer à la dégustation de tiramisu. Trois tiramisu à déguster, et bien sûr, il va falloir choisir le meilleur. On commence. D'accord. Le tiramisu a un grain. C'est l'appellation. C'est le mien. À ce moment-là, je suis très confiant. Je sais que mon tiramisu peut amener ma brigade à la victoire. C'est joli. C'est un grain de café. J'apprécie beaucoup. C'est bien beau. Déjà, elle aime bien la présentation. C'est très original. Et non, je vais bien sûr voir ce qu'il y a à l'intérieur également. Alors. C'est bien bon. Bien fait. Quelles sont les qualités de ce tiramisu ? Il y a suffisamment de crème au mascarpone. Les biscuits sont mouillés de bonne façon. Et il y a très peu de sucre. Mais j'en suis très contente. Le goût final est très agréable. Très bien. Je suis satisfait, les goûts lui plaisent, le visuel lui a plu. Mon tiramisu a largement ses chances de qualifier notre brigade immédiatement. Allez, on passe au tiramisu suivant. Annie, voici tiramisu. Donc, l'appellation ça est très simple. Comme ça, tout seul. Voilà. Quand je vois mon tiramisu à la fin, je me dis qu'il est quand même joli, c'est quand même net, mais il y a quand même une texture intéressante avec la meringue. C'est un beau dessert quand même, donc on verra la dégustation. C'est un dressage moderne, très, très joli à voir. Alors, c'est très, très délicat. C'est bon. C'est très bon. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce tiramisu ? La légèreté, la nouveauté. Il est plus élégant. Tous les codes du tiramisu sont respectés ? Tout est là. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ça y est, je vais grossir. Allez, on passe au suivant. Voici Forêt enchantée de tiramisu. Après réflexion, je me dis que une forêt enchantée, ça parlera plus qu'une forêt morte, parce qu'une forêt morte, ça fait pas envie. Ouh, que c'est joli. Ah ouais, là. Ouh. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est qui tout double. Quelle belle présentation. Waouh. Allez. Ah ouais. Jamais vu une chose pareille, aussi élégante. Et ça, c'est sûrement de la crème au mascarpone et que je ne peux pas éviter dès maintenant. L'instruction, c'est de manger le biscuit et la crème ensemble. Oui, oui, mais... Voilà. On n'a rien à faire. J'en ai goûté à la crème. Je fais comme je veux. Rien. Alors ? C'est très léger, c'est excellent. C'est un grand plaisir. Pour moi aussi, chef. Le biscuit est très moelleux. Très, très bon. Je vais tout manger cette fois-ci. Pas encore fait. Hein, le fait de déstructurer comme ça le tiramisu, de séparer les éléments, ça marche bien ? C'est super, je suis ravie. Il n'y a que du plaisir dans ce dessert. Wow. C'est bien. C'est incroyable, plaire à la chef Annie Féold, qui est 3 étoiles depuis 25 ans sur un tiramisu. Et c'est un moment unique, c'est vraiment que du bonheur. Ça va être serré là. C'est serré. Annie, je vais vous laisser réfléchir. Il va falloir choisir le tiramisu que vous avez préféré. Et je sais, ça va pas être facile. Elle aime nos trois tiramisu, elle aime les trois idées, c'est hyper serré. Là, la tension dans le vestiaire, elle est électrique. Alors, chère Annie, quel tiramisu vous avez préféré ?
la forêt enchantée de tiramisu. Ouais, c'est super, on a gagné, on est qualifié et je suis content. C'est magnifique, c'est ça la vie, c'est ça l'Italie. Merci beaucoup Annie Fiol d'avoir été avec nous. On est fiers et heureux d'avoir pu vous accueillir dans Top Chef. C'est moi qui vous remercie, ça a été fantastique. Bon retour en Italie Annie. Pour cette deuxième épreuve de la semaine, nous sommes à Toulouse, la célèbre ville rose, connue pour son ambiance extraordinaire, mais aussi pour sa gastronomie. C'est la ville de cœur de l'un de nos chefs, Michel Sarran, qui nous reçoit dans l'un de ses restaurants au centre de la ville. Et il a bien sûr imaginé pour les candidats une épreuve de haute volée. Bonjour. 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 Soyez les bienvenus dans la merveilleuse ville de Toulouse. On arrive sur ce rooftop, en plein cœur de Toulouse. C'est vraiment magnifique, on a une vue extraordinaire. Vous n'êtes pas dans n'importe quel restaurant de la ville. Il n'est pas tenu par n'importe quel chef. Vous le connaissez bien, le voici. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel Sarran. Là vraiment, on arrive sur les terres de Michel Sarran. Et ça, c'est vraiment super de découvrir son univers. Ça nous met une petite pression parce qu'on n'a pas trop le droit de se rater, parce qu'on est un peu à domicile chez notre chef. Je suis ravi de vous accueillir ici. C'est ce restaurant avec cette vue extraordinaire. Et puis voilà, c'est chez moi, c'est Toulouse. Cette saison, à tour de rôle, chaque chef vous recevra dans son restaurant avec une épreuve qu'il va lui-même imaginer. Et bien évidemment, vous serez juge et donc vous ne pourrez pas épauler vos candidats. Mais vous n'allez pas être seul malgré tout. Michel, sur cette épreuve, vous avez décidé d'un remplaçant de grand luxe. Le voici. Bonjour, chef. Bonjour. Bernard Bach, chef 2 étoiles. Michel. Allez, va travailler, va travailler. Ça va, les gars ? Bonjour, chef. C'est la forme ? Pourquoi ce choix, Michel Sarran ? C'est un chef talentueux qui est aux portes de Toulouse. Ensuite, c'est un ami. Il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Bernard Bach, merci d'être dans Top Chef. Alors, c'est une grosse mission de remplacer Michel Sarran. Comment vous abordez cette épreuve ? Avec beaucoup de conviction et de détermination, je vais tâcher de lui faire honneur. Alors, Michel, vous avez choisi le thème. Si je vous dis Toulouse, vous pensez forcément cassoulet. C'est pas un cassoulet normal que vous voulez. Non, c'est pas un cassoulet normal. Justement, ces recettes qui sont si généreuses, mais si riches aussi, il faut les alléger un petit peu et leur donner un peu de modernité. Et je veux qu'ils anoblissent ce plat dans l'apparence. Le cassoulet de demain, faites-moi. Le cassoulet, on va devoir le réinterpréter de manière un petit peu plus légère, plus contemporaine. C'est quelque chose qui me plaît, donc je me sens plutôt à l'aise sur le sujet. De faire un cassoulet, ça paraît simple, mais au final, il y a beaucoup de choses dans le cassoulet, donc l'amener à quelque chose de gastronomique en gardant les fondamentaux, c'est une épreuve qui va être compliquée. Précision importante, Michel va regarder toutes vos assiettes et éliminer sur le visuel celles qu'il aime le moins. Ensuite viendra le temps de la dégustation, et là vous ne serez pas seul, Michel. Non, j'ai convoqué des spécialistes du cassoulet, des amis, de vrais Toulousains, ils seront intransigeants. Pour cette dégustation exceptionnelle, placée sous le signe de la convivialité, Michel Sarran sera accompagné d'Arnoux, son associé, de Big Flo et Oli, les stars du rap, ainsi que de Maxime Médard et Johan Huger, célèbres joueurs de rugby. C'est très bon, hein. Vraiment, moi, je me régale, en fait. Un peu salé, quand même. Ça envoie au niveau salé. Monsieur se prend pour... Non, mais... Pour qui se prend, le rappeur? Non, mais... Hein. Ils dégusteront les cassoulets à l'aveugle et détermineront ensemble l'assiette gagnante. À vous donc de séduire des Toulousains avec votre cassoulet et de vous qualifier pour la prochaine semaine du concours. On va partir pour 2 heures de cuisine. Vous êtes prêts? Je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Ma cassoulet, ça me parle bien. Je suis inspiré. Hop. Là, il y a tous les produits qu'il faut. Michel Sarran a lui aussi réalisé son cassoulet du 21e siècle. Et il nous en livre ses secrets. Mes premiers souvenirs de cassoulet, c'est forcément les cassoulets de ma maman. C'était presque une évidence pour moi de le servir au restaurant, mais j'ai voulu le retravailler, en faire le cassoulet du 21e siècle. J'ai décliné en 2 assiettes. Une première qui va être une petite gourmandise pour mettre en bouche et commencer à donner le goût. Et une deuxième plus sérieuse, plus chaude, et où on va vraiment se plonger dans la générosité du cassoulet. Au départ,
des haricots que l'on va cuire dans un bouillon avec une garniture aromatique et de la couenne de porc qui va permettre la liaison de tous les éléments. Les viandes marquantes du cassoulet, le confit de canard, la saucisse de Toulouse, je vais les dorer assez rapidement pour faire des sucres, mais garder du moelleux. Et dans la cassole qui donne le nom au cassoulet, je vais réunir pour la première fois les haricots et toutes les viandes avant de l'enfourner. Quand je vais le sortir, je vais effilocher la viande pour la déstructurer un petit peu. Et je vais y apporter quelques touches d'exotisme avec un peu de soja, avec un peu d'huile de sésame, quelques tomates pour la fraîcheur. Et on a le point de départ du cassoulet. Je vais prendre une partie des haricots que je vais mixer pour mélanger avec de la crème et je vais le mettre dans un siphon. La texture ainsi transformée du haricot apporte énormément de légèreté et enlève le côté un peu farineux du haricot. Je viens positionner quelques croûtons légèrement dorés, un petit peu de poitrine fumée rissolée, des points de jus de cuisson que je vais poser délicatement. C'est en fait de l'extrait de cassoulet, de la réduction ultime. J'ai eu envie aussi de faire une petite gourmandise des arlettes croustillantes qui sont des lames de feuilletage pour avoir le contraste entre le croustillant de l'arlette et le moelleux de cette chantilly de haricot. Avec cette version un peu contemporaine du cassoulet, j'espère avoir réussi le pari de l'alléger et de le rendre plus actuel. C'est ça que j'attends des candidats aujourd'hui. Vous pouvez tout vous permettre, mais attention, je veux retrouver le goût du cassoulet. Samuel et moi, c'est un duo qui fonctionne, on s'entend très bien. Donc on va faire le meilleur cassoulet, puis on va marquer un essai entre les poteaux, là, ça va nous faire du bien. Bon les gars, attention là. Salut, attention. Je vous présente Bernard Bach. Il est censé remplacer Michel Sarran. D'accord. J'ai une lourde tâche. Normalement, Philippe, j'ai une lourde tâche. Il ne doit pas faire pire. Hein, tu ne dois pas faire pire. Non, c'est non, pas non, possible. Chef Bach, c'est comme Michel Sarran avec la coupe de cheveux de Philippe Etchebest. Ça fait un bon mélange. Attention, je te surveille, je suis à côté. Je sais, je sais. Je te pisse. Fais gaffe. Fais gaffe. Je sais. Alors. Ce cassoulet revisité. Donc on aura trois textures. Pour le crémeux, donc on aura le siphon de haricot tarbet et la crème d'haricot tarbet. La saucisse, le canard et aussi la farce de cuisse confite. Ça reste quelque chose de moelleux. Pour le croustillant, on aura les haricots qui seront frits. On aura les chips de lard aussi qui seront séchés. Et on aura la peau de cuisse séchée et broyée au couteau. Ça me paraît pas mal. C'est bien, vous m'avez l'air assez technique, assez pragmatique. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'esprit de ce que demande Michel? De la légèreté? Pour l'instant, j'en vois pas spécialement. Ça me gêne un peu. Le chef Bach, il sait de quoi il parle. Le cassoulet, c'est toute sa vie, c'est Toulouse. Donc on écoute ses conseils avec attention. Parce que c'est ce qui est demandé, en fait. Hein. On est vraiment dans du cassoulet revisité, voilà, de la finesse, de relativement actuel et moderne. Il faut qu'avec Guillaume, on réfléchisse bien pour vraiment le moderniser, lui apporter une touche de légèreté. Chaque détail va être très important. On compte faire une huile de persil pour venir lier nos cocos noirs et haricots mougettes à la fin. Ça va ramener de la fraîcheur au plat. Ça, c'est très intéressant. Normalement, on met juste un petit peu de persil haché. Là, on veut vraiment en faire une belle huile qui va venir rafraîchir le cassoulet. On espère vraiment que ça fera la différence. Cette huile, c'est effectivement une très bonne idée. Ça va apporter du goût, mais aussi de la couleur à leur plat. S'ils arrivent à la mettre bien en valeur, je connais Michel, il va être séduit au premier coup d'œil. On y va, on lâche rien, on s'éclate et on fout le maximum. Michel, chef. Ce cassoulet, faut le vivre, hein, les gars. Ouais, Ouais. La cuisine, c'est du bonheur avant tout. Hein. C'est de la joie. C'est... Les Toulousains sont déjà joyeux, festifs. Oui. Michel aussi, d'ailleurs. Donc pour l'huile de persil, il faut cuire le persil dans l'eau bouillante salée, le mettre à mixer avec de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle n'a pas de goût. On va garder vraiment le goût du persil au maximum. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait pensé à ça, on met souvent du persil ciselé, mais là on a fait une huile. Quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup de pression avec Guillaume parce que justement, on est chez notre chef de brigade. Il faut impressionner le chef Sarran. Donc là, avec Guillaume, on a décidé de faire notre propre saucisse de Toulouse. Je commence à tailler mes oignons, je veux que ça confite bien doucement dans la graisse de canard. Je fais des petits dés de tomates, un petit peu de persil ciselé. Je mélange le tout avec de la chair à saucisse. Donc là, je fais des beaux goudins de saucisse. Je viens les rouler dans du film étirable. Je les pique. Parce qu'ensuite, après, on va la cuire dans le bouillon de coco pour vraiment avoir cet esprit cassoulet où tous les arômes se mélangent. Avec Guillaume, là, aujourd'hui, on est chaud comme la cocotte minute, là. Je peux pas rater ma saucisse. À Toulouse, ça fait partie des fondamentaux de la gastronomie toulousaine. C'est juste pas possible. La chaud patate. Je récupère ma saucisse cuite. Je viens la paner bien généreusement. J'ai plus qu'à la frire à 180 degrés, environ 5 minutes.
Alors là, c'est parfait, c'est bien croustillant. J'ai une belle chapelure, bien blonde, ça a bien doré, c'est exactement ce que je voulais. Eh bien, ils sont à fond, les petits gars. Ils allaient abattre du boulot, là. On a du croustillant, du moelleux, de la légèreté. Ils ont fait leur propre saucisse. Pour les goûts et les textures, je suis pas inquiet. Maintenant, faut pas se louper au dressage, hein, car avant tout, il va falloir penser vraiment au visuel. S'il y a bien un jour où on n'a pas le droit à l'erreur, c'est aujourd'hui. J'essaie de faire un dressage assez moderne. Allez les gars, on va faire plaisir à Michel. Hein. Faut que Michel, il la valide cette assiette. Hein. Cette épreuve, on n'a pas le choix aujourd'hui, il faut la gagner. On est chez Michel Saran et là vraiment, aujourd'hui, il faut être au top. Bon, ça va Bernard, t'es à l'aise? On est pas mal, on est pas mal. Le cassoulet, on maîtrise un petit peu dans la région. Un petit peu. Un petit peu. Restons modestes. Mais nous, on le maîtrise bien, ici. Dans ma brigade, j'ai Camille, Damien et Maël. Comme ils sont trois, j'ai décidé que Damien et Maël cuisineront ensemble et Camille restera seule. Camille, je la mets seule sur le cassoulet parce qu'elle a raté le tiramisu. Et je pense qu'elle a besoin de reprendre confiance en elle. Je sais qu'elle peut faire quelque chose d'incroyable. Je le sais. Ça va, Camille? Oui, ça va. T'es en forme? Ça va. Alors, s'il te plaît, Camille, moi, je te connais. Je sais ce que tu peux faire. Oui. Sauf que tu vas pas encore montrer. Tout à fait. La dernière épreuve du tiramisu, c'était pas terrible. J'espère vraiment que je vais pouvoir me rattraper et lui prouver de quoi je suis capable en individuel. Tu vas m'expliquer ta recette. Du coup, je suis partie sur une purée de coco bien aérienne, pas trop compacte. Et je vais faire des boudins de chair à saucisse vapeur. J'ai pris du pain de mie aussi, parce que je voulais faire une tuile de pain de mie. Après, je vais prendre les cuisses de canard, je vais bien effilocher, etc. J'ai tout assez pour faire des cubes. Ensuite, je vais les paner. Quand j'explique au chef que je veux faire une croquette de canard confit, clairement, je vois bien à sa tête que ça va pas. C'est le cassoulet du 21e siècle qui veut Michel. Oui. Ok. Le thème, c'est le cassoulet moderne et léger, ok? Pas le bon cassoulet de famille. Attention à l'énoncé, Camille. Il faut de la finesse dans ton approche. Mon approche, c'est oui. Ce qu'il attend. Et bien sûr, le goût du cassoulet. Tu comprends? Je comprends le truc, chef. Du coup, je me dis, bon, Camille, laisse ta croquette de côté, là. Garde ça au coin de ta tête, et puis au moment où tu auras tous les éléments devant toi, tu pourras apporter un peu la modernité, parce que là, clairement, c'est pas ça. Voilà, le chef, je suis pas sûre qu'il me suive totalement sur la recette, mais je pense qu'il me fait confiance et il sait que je vais réussir à sortir quand même quelque chose de très allégé. J'espère qu'elle sait où elle va. Alors du coup, là, je vais lancer direct mes cocos, je vais les cuire parce que c'est le plus long. Pour réaliser ma purée de coco, je cisèle très finement une carotte, un oignon et un céleri branche. Là, du coup, je vais faire suer une petite garniture aromatique. J'y ajoute des morceaux de porc que je fais aussi rissoler pour donner un goût supplémentaire à mes haricots. On est là pour travailler le cassoulet, donc ça serait dommage si ça n'avait pas le goût de cassoulet. Je mets tout dans la cocotte, hop, je mouille à hauteur d'eau. Je laisse à cuire pendant environ 40 minutes. Une fois les cocos cuits, je les mets dans un blender et puis voilà, je mixe. C'est bien ce qu'elle fait, Camille. Elle a bien pensé à conserver la notion de goût en utilisant un mélange de garniture et de viande qui ont dû parfumer naturellement ses haricots à la cuisson. J'espère par contre qu'elle n'a pas oublié les assaisonnements. Du goût, les enfants. Ok. Le chef passe à mon poste, voilà, il se met à goûter ma purée de coco. Il n'est pas assaisonné. Ah, mais non, rien du tout. Et pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas assaisonné? Est-ce que tu peux me donner une bonne raison? Ça manque cruellement de sel. Camille? Oui, bien sûr, chef. C'est quoi la raison? J'avais envie de dire, attendez, chef, vous revenez dans 5 minutes, je rectifie tout et vous revenez. Je voulais faire après parce que vu que la saucisse est hyper salée, que le canard aussi est salé, et que mon bouillon aussi, je voulais voir en tout. Oui, mais il n'empêche que ça doit assaisonner un petit peu. Avant. D'accord? Et tu rectifies après parce que là, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun goût. Du coup, je saisonne tranquillement, je rectifie les choses. Et d'un seul coup, j'ai une idée folle. Je décide de mettre ma préparation en siphon. Bah, le siphon, là, ça va vraiment apporter quelque chose de léger. C'est hyper onctueux en bouche, donc ouais, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire et de plus moderne à ma recette. Je vais pouvoir dresser. Je sais que j'ai pas le droit à l'erreur sur le visuel. Là, on a un beau cube. Je récupère mon pressé de canard. J'ai bien vu que le chef était pas très emballé par mes cubes panés, et du coup, j'ai décidé de pas le paner. C'est bien, ma petite Camille m'a écouté. Une croquette pour rendre le cassoulet léger et élégant, ce n'était pas vraiment une bonne idée. Je joue vraiment sur les textures du cassoulet, sur chaque élément, et je pense que ça peut vraiment bien marcher. Allez Camille, un beau visuel, hein, d'accord? Allez, vas-y, c'est pas mal. Quand le chef dit c'est pas mal, c'est qu'il veut pas dire que c'est bien. Allez Camille, Maël, Damien, vous avez des choses à prouver, d'accord? Allez!
Bon, Camille a ses chances. Elle est à fond et surmotivée. En revanche, du côté des garçons, ça me paraît bien calme. Oula, c'est mou là, on va sans doute t'endormir là. Maëlle, je te sens mou. Non, ça va, chef. T'es sûr? Oui, oui, chef. Ça va, Damien? Ça va, chef. Ouais. Comment vous êtes là? Expliquez-moi un petit peu. Alors, cette recette, elle va être dressée en bol. Donc, dans le fond, on va mettre le confit de canard. Ensuite, on y rajoutera la joue de porc, des haricots blancs travaillés en espuma. C'est une brunoise de saucisse qu'on va caraméliser. Et au-dessus, une chapelure verte de brioche pour amener un côté croustillant. Avec un peu de persil ou d'estragon, c'est pas encore. Mm-hmm. On va avoir quelque chose qui est riche en goût, comme dans le traditionnel cassoulet. Ne faites pas quelque chose de commun. Je sais pas ce qu'il veut, Michel. C'est pas ce qu'il veut. Au niveau visuel, leur chapelure de pain verte, c'est malin. Mais au niveau des goûts, franchement, c'est trop traditionnel. Il va falloir être plus créatif que ça s'ils veulent séduire Michel sur le cassoulet. Est-ce que tu crois qu'il va être surpris? Non. Les chefs veulent de la surprise, veulent de la prise de risque. C'est clair qu'il faut réagir. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'en manger en Bretagne, du cassoulet. Sur ce coup-là, je m'en remets un peu à Damien parce qu'il a ce petit grain de folie que moi, j'ai pas encore. Et il est plus cuisine moderne que moi, vraiment, donc je compte un peu sur lui, quoi. Du coup, on part sur une vinaigrette de coco. Ok. Si t'es d'accord. Hein. Ouais, vas-y. Avec un petit peu de noix et d'estragon. Ouais, salade un peu. Ouais, un peu en salade, c'est ça. Je pense que la carte à jouer dans cette épreuve, c'est l'acidité. Elle permet de contrebalancer le côté gras du cassoulet classique. Donc là, pour la vinaigrette, j'ai mis un tiers d'huile de noix, deux tiers d'huile classique, du vinaigre de Xérès pour amener l'acidité, des oignons nouveaux pour amener le croquant, du persil tout simplement. J'ajoute une brunoise de carotte. La vinaigrette va apporter énormément d'arômes aux haricots noirs qui sont cuits. On épluche les cocos. Faut être précis, faut pas les casser. C'est chiant à faire, hein, ça. Putain, la vache. T'en as fait combien? 5. Je pense que c'est important de décortiquer la peau des haricots, parce qu'en salade, une peau de haricots qui nous traîne entre les dents, c'est assez désagréable. Alors, c'est quoi, ça? Alors, on part sur une vinaigrette de coco, fumée, avec un petit peu de noix et d'estragon, et persil. Oui. Ok. Légèrement. J'aime beaucoup l'idée de la vinaigrette. J'aime beaucoup l'idée de la vinaigrette. Ça me plaît. Attention à pas dépasser les bornes, parce que l'estragon, c'est puissant quand même. Allez les bleus, j'ai confiance en vous et ne vous faites pas saquer ce coup-ci, hein, d'accord? Il faut passer, hein. Le confit de canard, c'est quand même la base du cassoulet. On en met quand même pas mal. Cette recette, elle va être dressée en bol. Le but, c'est que l'intégralité soit prise en une cuillère, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Une deuxième étape. Les cocos en salade, en vinaigrette. On en met bien partout, ça doit envoyer du peps. C'est le côté légèreté du plat, fraîcheur. Ce qui donne envie d'y retourner et s'il fait un équilibre dans l'assiette. Donc j'hésite pas, je rajoute encore un petit peu de jus. Un petit peu de saucisse en dessous, on en mettra aussi au-dessus. Franchement, cette idée de rajouter de l'acidité dans le cassoulet, ça me plaît. La salade de haricots, c'est très original et cette chapelure verte, visuellement, ça peut vraiment intriguer Michel. Allez! C'est beau. Bravo les gars. Alors, on est chez Michel Sarron, faut pas le décevoir, d'accord? Et nous, on va pas les décevoir. Alors, ils sont comment les verts? Ils sont verts. Ils sont verts de rage? Non, vers la finale. Hein? Vers la finale. Allez, on va voir ça. C'est bien de participer, Philippe. Mais nous, on est là pour gagner. Sur cette épreuve, j'ai choisi de mettre Anissa et Baptiste ensemble et de laisser Merwan travailler seul. Je trouve qu'il est parfois un peu désinvolte quand il travaille en binôme et je veux le responsabiliser. Et s'il y a quelqu'un qui peut créer une version moderne du cassoulet, c'est bien lui. Aujourd'hui, c'est la première fois que je me retrouve seul. Et c'est la première fois que je fais du cassoulet. Première fois, normalement, c'est les meilleurs. Toute première fois, toute première. On va essayer que ce soit pas la dernière. À nous, Merwan. Chef. On va essayer de relever le défi. Hein. Alors, c'est quoi ton défi alors? Mon défi aujourd'hui, c'est de savoir ce que je vais faire. Oh, pour l'instant, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas comment je vais le travailler. Je sais pas comment je vais le dresser. Raconte alors. Je vais essayer de le faire en petites feuilles de choux. Dedans, je vais mettre un mélange de viande, un effiloché de canard. Ouais. Et après, je vais faire une petite salade. Je vais faire un petit peu des légumes croquants, des asperges, un petit peu des morceaux de saucisse. Merwan, t'as pas l'impression que tu as oublié quelque chose là? Un chou farci à la viande et une salade croquante? C'est sûr que c'est audacieux, mais Michel a été clair. Il veut quand même retrouver le goût du cassoulet dans son assiette. Michel, il a dit moderniser, mais je crois qu'il veut quand même garder les marqueurs. Pour moi, il y a un marqueur fort du cassoulet qui n'existe pas. C'est les haricots tarbés. Si tu me fais le cassoulet que tu me dis sans cette partie-là, je suis pas sûr que... Chef. Merwan, il est obstiné. J'espère qu'il n'en fera pas qu'à sa tête. Parce qu'avec le cassoulet sans haricots qu'il vient d'inventer, il va droit dans le mur. Vous changez la forme, vous changez la vision, mais le cassoulet, c'est une texture. C'est une garniture. Et c'est une histoire. L'assiette qui réussira,
c'est celle qui aura respecté ses trois fondamentaux. Merwan. Chef. Je compte sur toi, hein. Ouais, chef. Je t'embête, là? Non, pas du tout. Je suis en train de réfléchir en même temps. Le sujet, c'est cassoulet aujourd'hui. Pour ma farce qui va garnir ma feuille de chou vert, suite à la remarque du chef, j'ai l'idée voilà, de mettre tous les éléments d'un cassoulet, les haricots, compotés avec la viande, faire un truc un peu sexy, un peu moderne, contemporain. Là, j'ai sorti mes cuisses de canard qui étaient en train de confire dans le four. Je les effiloche en enlevant tous les cartilages, les petits os, en enlevant la peau. Ça, c'est pour mes ballotines de chou, à l'ancienne, Étienne, qu'on va moderniser, Denise. Donc, mes haricots tarbets sont cuits, je les fous dans une gamelle. Avec mon effiloché de canard, je remets encore de la graisse d'oie. Oh, là, je donne tout. Ouais. Je réassaisonne, ça va compoter, il y aura un mélange de saveurs. Voilà, ça va faire un truc gourmand. Je vais essayer de réaliser un hold-up aujourd'hui. Le cassoulet, c'est un vide-frigo à la base. Hein. C'est pour les soldats pendant la guerre de 100 ans. Hein. J'espère que tu vas la gagner, la guerre. Ah, hein? Au moins, en tout cas, j'aurais été au front, chef. Pour la ballotine de chou, je prends les belles feuilles du cœur de chou. Eau bouillante, bien salée, bien chaude. 3-4 minutes, faut pas que ce soit trop cuit, sinon elles vont se déchirer. Je mets mes feuilles de chou à égoutter. Je les ai refroidies d'abord dans l'eau bien glacée pour stopper la cuisson et fixer la chlorophylle. Faut faire le plus beau cassoulet du monde, du cassoulet de l'espace. C'est un cassoulet qui va venir de Saturne. Et là, je viens mettre à l'intérieur mon espèce de farce de viande, de saucisse, de haricots. Bien serré, je les laisse reposer un petit peu pour que ça puisse se détendre et que je puisse les démouler facilement par la suite. Bon, on aura des haricots dans le cassoulet, c'est déjà ça. Mais visuellement, ne présenter qu'un chou farci, c'est extrêmement risqué. Pour être sûr de déguster, il faut qu'il rajoute quelque chose qui rappelle le cassoulet. Tu me fais un peu peur, hein. Il faut qu'il y ait ce côté gourmand du cassoulet. Le chef piège se pose des questions sur mon chou. J'ai encore un peu de temps devant moi, donc je décide de me rajouter un peu de boulot. Il me reste des cocos tarbets qui sont cuits. Je décide de faire une purée montée avec un peu de beurre. Quand je dis un peu de beurre, c'était une blague. Avec beaucoup de beurre. Prochain arrêt, le cassoulet. Là, je mets tout dans le siphon. Ça y est, tout est clair? Ou pas? Ça s'éclaircit un peu. Ça s'éclaircit un peu. J'ai envie de dire, chef, vous inquiétez pas. Oh, on va magouiller, on va faire quelque chose. Je vais faire une petite saucière d'espuma à haricots avec un fond de saucisse. Je taille une saucisse en brunoise. Je la mets dans le fond de mon verre. Par-dessus, je mets mon espuma coco. Et sur le dessus, je reviens rajouter une espèce de chapelure, noix de pécan, pain de mie grillé. Un truc, dernière minute, un truc freestyle. Il trouve la solution au dernier moment pour remettre son assiette hors sujet dans le sujet. Et ça, c'est le talent de Merwan. Et je te rappelle, visuellement, il y en a une qui dégage. Hein. Chef. Je peux pas me louper ce visuel, il va choisir ça au visuel, tonton. Je peux pas, je peux pas. Du côté de Merwan, je suis rassuré. Mais cette épreuve, j'attends aussi beaucoup du travail d'Anissa et de Baptiste. Le cassoulet, c'est quelque chose qui me parle. Ça fait plus d'un an que je travaille avec un chef qui vient du Sud-Ouest. C'est déjà une recette que j'ai un peu retravaillée. Là, la difficulté, voilà, c'est de travailler à deux, de continuer à apprendre à se connaître. Moi, j'ai un caractère fort, Anissa a un caractère fort. Jusqu'ici, la communication n'était pas hyper évidente. Il y a eu quelques petites tensions, notamment sur l'épreuve au pré-Catelan pour les assaisonnements. Il y a zéro sel. C'est bon, j'ai rassaisonné. Je te le dis, non mais je te le dis. Vous, là. Il y a la saison. Je m'occupe de la purée, Vous regardez la purée sous contrôle. Je me sens pas particulièrement super à l'aise avec Baptiste. Il a vraiment, je pense, du mal à me faire confiance. Il faut vraiment qu'on arrive chacun à s'entendre culinairement parlant et surtout professionnellement parlant. Alors les verres, comment ça va? Plutôt bien. La bonne humeur est là? La bonne humeur est là. Que vous êtes bien consultés tous les deux, vous m'avez fait une bonne recette à deux. Oui, chef. Ouais. On a réussi à se mettre d'accord assez facilement. On n'est pas dans le conflit, on est dans le cassoulet. C'est quoi alors le cassoulet du 21e siècle? On va travailler sur un deux services. Moi, je vais travailler la saucisse et Anissa va travailler la cuisse confite. Il y aura le canard juste en effiloché, cuit à la graisse de canard. Et à côté, quelque chose d'un peu plus moderne, un peu comme une boulette de canard. Un crémeux d'haricots très aéré. Ensuite, Baptiste va faire comme une raviole avec la chair à saucisse. Donc on va prendre un peu saucisse fumée, un peu saucisse nature. Okay. On va les mettre avec un peu de piquillo, c'est d'amandes légèrement torréfiées. Le piquillo, c'est un choix, hein, on est d'accord. C'est Anissa qui a proposé l'idée, je trouvais que c'était pas hors sujet, puisqu'on est quand même dans le Sud-Ouest, on a ce côté pimenté, piquillo, poivron. Ouais, ça peut être sympa. Baptiste écoute mon idée, donc je me dis alléluia, il y a du progrès, je suis super contente. Les piquillos en cassoulet, c'est original. Il hein. Faut juste que ça leur plaise. Hein. Oui, chef. Nulle part, il y a de la tomate. On a mis le piquillos à la place. D'accord. Le fait de rajouter du piquillos, c'est une prise de risque. C'est un ingrédient fort. Ça ramène une cuisine vers le Pays Basque. Et je suis pas sûr que les Toulousains et les Basques soient les meilleurs amis du monde. Après,
C'est leur choix. Faites attention de garder l'identité quand même du goût. Hein. Oui, chef. Je vous rappelle, c'est Michel Saran qui goûte. Hein. Oui, chef. C'est des vrais Toulousains. Hein. Même si le piquillos ne fait pas partie de la recette du cassoulet, on propose une touche originale, comme on le fait de manière générale sur nos épreuves. Je trouve ça intéressant. Là, je démarre ma farce à ravioles. J'ouvre la saucisse pour la retravailler. Je rajoute des piquillos, un peu de graisse de canard pour que ce soit un petit peu plus onctueux et qu'il y ait encore ce parfum de viande confite. Donc là, je boule ma farce à ravioles. Je la passe de main en main pour enlever tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Et ces petites boules, je vais les cuire au four pendant 15-20 minutes pour avoir quelque chose de moelleux. Et ensuite, je vais faire une raviole. C'est quoi la pâte des ravioles ? La pâte des ravioles, c'est purée de haricots avec un peu de bouillon. L'objectif, c'est d'avoir une purée en fait, qui se transforme presque en bouillon de haricots mixés pour ajouter ensuite mes gélifiants et avoir ce semblant de pâte à ravioles. Alors ça, c'est un défi qui me plaît. Remplacer une pâte à ravioles par une gelée de haricots, c'est malin. En revanche, ça prend du temps. Vous êtes dans les temps ? Parce que les ravioles, je les vois toujours pas quand même. Hein. Ça arrive, chef. Il faut que Baptiste trouve la bonne proportion entre la purée, le liquide apporté par le bouillon et l'agar-agar, pour que sa préparation se transforme en une élégante pâte à ravioles. La pâte à ravioles, ça va être un peu chaud parce que j'ai jamais fait ça en fait. S'il y a trop de purée de haricots, mes gélifiants vont pas pouvoir prendre. On va voir ce que ça donne. Je commence à faire mon premier essai. Ah, au bout de 2 minutes au frigo, je vois que ça passe pas du tout. La pâte à ravioles, c'est très important de la réussir. Si j'ai pas cette pâte à ravioles, c'est comme si je mettais juste une boule de saucisse avec du consommé. C'est pas un cassoulet. Allez Baptiste, arrête de parler et agis. Il faut que tu la sortes cette raviole. La purée, normalement, c'est pas fait pour faire vraiment pour gélifier. Donc j'ai rajouté un petit peu de bouillon pour le liquéfier un peu plus, pour être sûr que ça va coller correctement. Mettre au frigo encore. En vrai, je commence à stresser là, parce que je déteste l'approximation. J'aurais préféré que ça sorte bien du premier coup. Je fais au moins 5-6 essais. Allez, prends, petite raviole, prends. Je vois le résultat, je dis putain. Là, je fais pas une raviole avec ça, on est d'accord. C'est encore une purée. C'est une purée dans une plaque. Donc là, à ce moment-là, je suis très, très stressé. Je me fais peur. Je commence à avoir un petit peu chaud. Bah, c'est pas bon, quoi. Je me dis que clairement, il se plante. Faut que ça marche. Les minutes passent. J'arrive au bout. Il reste plus rien en temps. Et je dis, bah, de toute façon, dernière chance. Je remets un petit peu de gélifiant. Je refais bouillir. Je remets dans une plaque. De toute façon, je vais tout couler. Et c'est... Ouais. On va voir. Je suis moyen sûr. Je mise tout sur le dernier essai, puisque maintenant, j'ai plus le choix. Advienne que pourra. Vous vous rappelez, première assiette qui est éliminée au visuel. Hein. Oui, chef. Là, je mets tout au frigo. Si on perd l'épreuve à cause de moi, bah voilà. Tant pis. Ah non, hein. On perd pas, bah si je t'avertis, hein. J'ai pas d'argent. Je prends toutes les plaques, je mets tout au frigo. Je laisse 2 minutes, à peine. Anissa, ça a pris ? Peut-être, faut que je check. J'emporte pièce tout, je sais même pas si ma raviole elle passe. J'ai pris le dieu du cassoulet là, je sais pas qui c'est. C'est hyper fragile, mais je l'ai. J'ai ma pâte à raviole. Bah, je suis super contente parce que je me dis qu'on a eu super chaud pendant cette épreuve. Mais au final, Baptiste a réussi à faire sa raviole, moi j'ai réussi à faire l'assiette que je voulais aussi. Donc non, je suis plutôt satisfaite de notre travail durant cette épreuve. Dernière minute. Vous en avez rectifié, c'est bon ? Oui. Allez, bien propre, les gars. Oui, chef. Les invités de Michel sont là aussi. Ils dégusteront dans quelques instants. Inquiète, on est bon. Il va déjà falloir vous qualifier sur le visuel. Ça, c'est beau, hein. Bravo. Allez, allez. Pas moins, c'est bien. Allez, mec. T'es sûr de ça ? Ouais, je suis sûr. Non ? Moi, je mettrai pas. Attention, 10, 9, 8, regardez 7, pas trop le bordel, chef. 6... 5, 4, 3, 2, 1, top terminé, on lève les bras. Michel Saran va maintenant sélectionner les 4 assiettes qui, selon lui, ont le mieux anobli et modernisé le cassoulet visuellement. Le candidat ou les candidats qui auront réalisé l'assiette non retenue pour la dégustation se retrouveront directement sur la sellette. Depuis une autre terrasse, loin des yeux de Michel Saran, les candidats et les chefs vont tout suivre depuis un écran. Michel Saran, qui n'a rien vu de l'épreuve, va-t-il éliminer sans le savoir les candidats de sa brigade ? Éliminer Guillaume et Samuel, ça me stresse terriblement. Cette épreuve, c'est chez moi, alors vraiment, j'ai pas envie d'être déçu. Allez ! Je vois que les candidats se sont donnés aujourd'hui. Hein. Toulouse les inspire et c'est bien. On va commencer par la première assiette, mon cassoulet moderne.
C'est mon assiette, ouais. Je m'attendais à de la modernité, j'en ai. C'est une jolie assiette. C'est un bon point déjà. Voilà. Ça fait plaisir. Je vois des marquants du cassoulet, je devine le haricot en mousse. Non, c'est un peu déconcertant parce que effectivement, je m'attendais pas du tout à ça. Là, on est sur une interprétation très contemporaine, un peu gastronomique. Ouais. Deuxième assiette, cassoulet en trois temps. C'est moi ça. Salade légère, parmentier aérien et mijoté contemporain. C'est élégant. Après, ce qui me perturbe un petit peu, j'ai envie de dire, c'est le chou farci. Parce que voilà, là, est-ce qu'on est dans le thème du cassoulet ? J'ai un petit peu peur. À voir. Bon, il voit pas qu'à l'intérieur du chou, c'est complètement tous les éléments du cassoulet. Donc on verra. Hein. Troisième assiette, cassoulet en deux services. Ça, c'est notre assiette, ça. On a ces deux assiettes qui sont un peu en contraste. On pourrait dire que c'est presque un peu grossier. Mais en même temps, c'est le lien avec la modernité. Ah, c'est pas mal. Ça vous plaît ? Ouais, ça me plaît pas mal, ça. Ah. Bon. Alors, assiette suivante, mais à nouveau deux assiettes. C'est nous, là. Elle est jaune. Cassoulet de Toulouse en texture. Là, il y a du beau travail aussi. Gros travail sur les viandes. On voit les saucisses avec une petite panade autour. Il y a plein de textures. Le visuel est... Je le trouve... Un peu terne, quand même. Il y a tous les éléments du cassoulet, Michel, là-dedans. C'est ça qu'on veut, on veut manger du cassoulet. Et enfin, sous la cloche... Alors attention, là... Ouais, c'est la note. Légèreté de cassoulet. Intriguant. Là, j'ai une envie. J'ai envie d'aller plonger la cardone. Alors, on voit qu'il y a un peu de travail. Il a fait une chapelure avec de la chlorophylle. Il y a forcément quelque chose derrière. Et en présentation, ça suffit pour avoir envie. Mais pourquoi pas ? Le trop est l'ennemi du bien. Moment important. Michel, vous allez sélectionner une à une les assiettes qui, sur le visuel, vous paraissent le plus convaincant. Alors déjà, est-ce qu'il y en a une qui se qualifie facilement ? Pour moi ? Ouais. Oui. D'accord. Le cassoulet en deux services. Yes. Bravo. Ça vous plaît ? Oui, ça me plaît pas mal, ça. Encore trois à qualifier, Michel. La deuxième assiette, je vais sélectionner celle-ci. Mon cassoulet moderne. C'est bien, Camille. Bonne chose défaite. Le chef Etchebest, il est à côté et je sens sur son visage qu'il est très content et que déjà, il y a une première étape de passé. Ça fait extrêmement plaisir. Une chance sur trois, la chef. Et je vais aller vers la simplicité pour la troisième assiette. OK. Voilà, elle m'intrigue. Et je veux la déguster. Très bien. Légèreté de cassoulet. Génial. Et yes ! Tous mes bleus sont qualifiés. Bravo. Bravo les petits. Il reste deux cassoulets, celui de Guillaume et Samuel et celui de Merouane. Sans le savoir, Michel Sarran a donc une chance sur deux d'éliminer sa propre brigade. Nous, on est sur le cassoulet. Merouane, il est parti sur une salade, sur du chou. Il y a une tradition quand même dans le cassoulet. Il peut pas choisir le chou, c'est pas possible. Le chef Sarran, il est un peu déstabilisé. Voilà, je vois qu'il tique un petit peu. Et deux lignes du chef. Voilà, je vais sélectionner cette assiette. C'est Merouane. Je suis pas complètement rentré dans le thème, parce que pour moi, pour le moment, c'est un chou farci. Mais bon, l'exécution est ultra précise. Sur cette assiette, visuellement, si on choisit de mettre des haricots comme ça, en décoration, on enlève la peau. Je trouve qu'il y a quelques erreurs sur l'exécution. Oh, les boules ! Ah, je suis dépité, là. Et jouer à domicile ! Aujourd'hui, on était venu là pour gagner, et on se retrouve les premiers à perdre. C'est une énorme déception. C'est comme ça. L'assiette de Samuel et Guillaume est donc éliminée. Pour les autres brigades, l'heure est à la dégustation et elle s'annonce festive. Michel, la troisième mi-temps va commencer. Vos amis sont là, et non des moindres. Arnaud, votre associé ici. Maxime Médard, Yoann Huger, les stars du rugby. Big Flo et Oli, les stars du rap. Vous êtes là parce que Michel voulait déguster ses cassoulets, plat convivial par excellence, tous ensemble. C'est ça l'esprit cassoulet. C'est partager un moment privilégié. On a été tous élevés au cassoulet. Ouais, c'est un bon moment de partage.
Alors, voici la première assiette. Cassoulet en trois temps. Salade légère, parmentier aérien et mijoté contemporain. J'ai confiance à la dégustation, je sais qu'il y a du goût, il y a tout dans le cassoulet, donc pour l'instant je suis confiant. Visuellement, j'aimerais avoir les commentaires des uns et des autres. Il y a du chou dans le cassoulet normalement. Tu sais que t'es pas chef cuistot, Flo. Ouais, mais moi je suis pas du tout chef. Le mec il se prend pour un chef, là c'est ambitieux. Je vais prendre la confiance. Ce que je veux, c'est le goût, la surprise et la légèreté. Allez, place au cassoulet maintenant. Donc la salade en premier. Moi j'aime bien. C'est léger. Je trouve, alors, mais vraiment, je serais personne pour me permettre de juger. Ah oui, je confirme, t'es personne. Ah ouais. Je trouve que les haricots dans la salade sont un peu secs. Moi, ça me gêne pas tant que ça. C'est important qu'on ait le grain. Oui, dès qu'on le cuit un peu plus, le haricot risque de s'éclater et de partir en purée. Moi, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça, mais j'aime bien. Surprise, bravo. Pas fini, hein, chef, c'est pas fini. Alors, on verse le parmentier sur le chou. Il y a un côté super ludique, là. T'as visé tout sauf le chou, en fait. C'est incroyable de faire ça. Moi, si je peux me permettre un truc, les gars, je trouve ça super bon. Après, je retrouve pas tous les saveurs du cassoulet, quoi. Il y a tout, arrête un peu. C'est bon, hein. T'es le seul, hein. Parce qu'une fois que tu as vraiment ouvert ce chou, non, et que tu as mixé les saveurs... Non, moi, j'ai un fort goût de cassoulet, moi, là. C'est très, très, très bon. On se régale, il y a des surprises avec ce chou. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à reprocher. C'est léger, c'est parfumé, c'est intéressant. Hein. Je trouve que c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien. Moi. Bravo. Est-ce que vous avez encore faim? Oui, moi, j'ai encore faim. Bonne nouvelle. Voici légèreté de cassoulet. Oh, ça c'est beau, ça. C'est avec qui, ça? C'est à nous, ça. Merci. Je pense qu'avec Damien, on a réussi notre cassoulet aujourd'hui. Il n'y a pas de fausse note. Il est léger, un peu acidulé. On a un cassoulet du 21e siècle dans cette assiette. Alors, on déclenche tous ensemble? Ouais. Allez, allez. Un, allez. Deux, trois. Voilà. Oh, ouais, ça claque là. Oh, bien. Bah là, pour le coup, on a une approche très différente. On rentre dans le sujet, c'est une assiette. Et comme c'est très simple, là, il n'y a pas de droit à l'erreur. Voilà, tu vois? On espère c'est que ça. Première cuillère, ils vont dire si c'est bon ou c'est pas bon. Moi, ça m'intrigue, parce que connaissant le niveau des candidats et leur implication, je sais que je vais être surpris. C'est trop bon. Wow. Ah, l'haricot, il est là sans être lourd. Il y a quand même un côté léger, un côté acidulé. Ça, c'est le genre de plat que j'aime, ça, tu vois. Je viens, je mange et je m'en vais. Et vous noterez cette phrase comme une citation. Dans mes mémoires, vous la noterez. Ça fait le boulot. Ouais. Bien. J'ai l'impression, Michel, que t'es pas tout à fait dans notre avis, non? Elle est où, la saucisse de Toulouse? Elle est dessus. Elle est dessus, coupée en petits morceaux. Mais si, coupée en petits morceaux. C'était les petits cubes au-dessus. Michel, c'était les petits cubes au-dessus. T'es dur, là. Michel. Heureusement qu'ils sont là, les mecs. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Bon du... C'est très bon. Bon, mais voilà, c'est tout, point barre. Arrêtez, allez, arrêtez de discuter. C'est un plat qui est gustativement très agréable. La légèreté, il est parti sur ce côté un peu vinaigré qui permet de faire passer le haricot. Mais ça te rappelle le cassoulet, toi? Moi, oui. Oui. Et visiblement, tout le monde n'est pas d'accord. De toute façon, non, mais je vais vous mettre d'accord. Au final, c'est moi qui choisis. Je m'en vais. Voilà. Voici cassoulet en deux services. Ça, c'est nous, ça. Ah, c'est vous, ça, les gars. Ouais. Au final, c'est deux assiettes qui sont quand même très différentes, une plus rustique, une bien plus moderne. On est quand même satisfait, en fin de compte, du travail final et du travail qu'on a réussi à mettre en place ensemble. Yves Flooli, est-ce que ça vous interpelle? Alors ça m'interpelle parce que là, pour le coup, si on m'amène ça sans me dire ce que c'est, je n'ai aucune info que c'est un cassoulet. J'ai l'impression que c'est un falafel. Ouais, c'est une croquette qui doit nous ramener au cassoulet. Ah, merci, chef. Je sens Maxime un peu déstabilisé, non, par les assiettes? Ouais, je sais pas, il n'y a pas trop de lien, je trouve. On a un côté assez traditionnel. Et à côté, on a quelque chose qui est beaucoup plus délicat. Alors, mystérieux, en plus, la raviole, c'est mystérieux. Et c'est un peu la passation entre l'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau. Et voilà. Ça, vous venez de le découvrir. Oh, depuis le début, on le savait. Fanfaronnade. La peau croustillante, la peau dorée... Bon. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais ça me rappelle le cassoulet que faisait ma maman. C'est un goût, le confit de canard bien doré, c'est juste savoureux. Ah. Comment tu fais? Donc là, on est resté très brut. Ça, quand même, ça, c'est... il faut une bouteille d'eau. Hein. La croquette, elle est un peu sèche.
C'est un peu sec, c'est dommage parce qu'elle est bonne en goût. Hein. C'est bien assaisonné. Hein. Ah. Ah. Merci, chef Saran. Alors, on passe à la raviole. Alors, mélangez bien la sauce. C'est plus un bouillon d'ailleurs, on voit. Oui. Le poivron est un peu hors sujet, je trouve, non ? Dans le goût, hein. C'est un choix, ouais, ça parfume, ouais. Ça parfume fortement. La raviole est bonne, quand même, franchement. Ce voile de Tarbes, c'est très judicieux. C'est de la haricot, ça ? Ouais, c'est un beau travail. Techniquement, les assaisonnements sont bons, le bouillon est délicieux. Après, là, on a fait le choix de tout mixer ensemble, mais moi, j'aime bien avoir des petits éléments que je vais reconnaître, quand même. Parce que là, je sais pas ce que je mange. Ouais. Il faut des morceaux dans le cassoulet. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans le délirium, là ? On est presque dans la nourriture de l'espace, là. On est allé très, très loin, là. On a peut-être un peu trop voyagé aujourd'hui. Michel, tu es autant poète que cuisinier à mes yeux. C'est vrai ? Et c'est la phrase qu'on retiendra. Assiette suivante. L'intitulé, c'est « Mon cassoulet moderne ». Pas mal. J'ai vraiment pris plaisir à faire ma recette. Je sais que les goûts y sont. Il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de saveurs. Donc j'espère que c'est ce qui va faire la différence. Tu sais, ton plat est tellement délicat. C'est une pluie de bonheur voilà. Que tu vas leur envoyer. Le visuel, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Très léger. C'est esthétique, il y a un beau travail, je trouve. Dans les couleurs, dans la couleur, ça me fait penser à la brique de Toulouse. Oh, c'est Toulouse, eh oui, voilà, voilà, voilà. Ce ne sont que des Toulousains, hein, donc c'est vrai qu'on est un peu chauvin ici. Alors, on va goûter. C'est un peu salé. Je rejoins Michel, un peu salé quand même. Ça envoie niveau salé. Monsieur se prend pour... Non, mais... Pour qui se prend, le rappeur ? Non, mais... Hein ? Non, mais c'est vrai que ça envoie niveau salé. Mais on a quand même une harmonie de texture et de goût qui est très plaisante à déguster. La cuisson est bien faite et c'est très parfumé. On est dans la finesse, Michel. Délicatesse, finesse, subtilité. C'est très bon, hein. Vraiment, moi, je me régale, en fait. Je me suis en train de me rendre compte. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous retrouvez le goût du cassoulet ? Ouais. Ouais. Quand tu mélanges tout, ouais. J'ai le goût. Allez, calme-toi. C'est très, très bon. Il est temps pour Michel Saran de désigner le cassoulet qui a été retenu. Le ou les candidats qui l'ont réalisé seront directement qualifiés pour la prochaine semaine de compétition. Mais avant de révéler le verdict, il va découvrir quel candidat il a éliminé sur le visuel. Michel, vous vous souvenez, vous avez écarté le cassoulet qui vous avait le moins convaincu visuellement. J'ai demandé aux candidats qui n'ont pas été choisis sur le visuel de se dévoiler maintenant. Bravo Bernard, merci beaucoup. Tu m'as bien remplacé, je te remercie beaucoup. On va avoir un petit règlement de compte entre nous, d'ailleurs, parce que tu peux pas savoir la paire de boules que j'ai, quand même. Bon, voilà, on rigole, mais bien évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour vous. C'est toujours frustrant, hein, Michel, mais c'était la règle de l'épreuve. Messieurs, vous retrouverez donc sur la sellette lors de la prochaine épreuve. Et ensuite, il y a eu la dégustation entre amis. Vous avez hésité entre plusieurs propositions ? Sur les 4 assiettes proposées, j'ai trouvé, et nous avons tous trouvé, qu'il y en avait 2 qui sortaient du lot. Le cassoulet en 3 temps. Et le cassoulet moderne. Alors Michel, quelle assiette se qualifie aujourd'hui ? Alors l'assiette retenue, c'est le cassoulet en 3 temps. T'es sûr que c'est moi ? Je suis content de moi, je suis passé à ça de ne pas être dégusté sur le visuel et au final, j'ai inversé toutes les tendances aujourd'hui. C'est Merwan de la brigade de Jean-François Piège qui décroche la qualification. T'as allé très très loin, avec des petites notes différentes qui n'ont rien à voir avec la tradition. Moi j'ai aimé cette approche. Contre toute attente, c'est Merwan qui gagne. Il est très malin, c'est un créateur. Et ça me plaît. Et en plus, Merwan, comme un bonheur n'arrive jamais seul, Badois, le parrain de Top Chef, vous offre, avec cette victoire, la possibilité de participer à la Bourse Badois, qui depuis plus de 30 ans permet aux entrepreneurs d'ouvrir leur restaurant. Bravo à vous. Et en plus, bien sûr, vous vous qualifiez directement pour la semaine prochaine. J'aurais voulu la gagner, cette épreuve. Je suis vraiment pas passé loin, mais au moins, je peux dire qu'aujourd'hui, le chef Etchev, c'est qui peut encore me faire confiance. C'est maintenant le moment tant redouté de la sellette.
Chaque chef va choisir le candidat de sa brigade qui ira en dernière chance et risquera l'élimination. Pour Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège, c'est le moment de prendre une décision difficile. On va commencer avec Michel Sarran. Qui vous envoie en dernière chance et qui vous qualifie pour la semaine prochaine? C'est difficile. Hein. Puis moi, je suis en danger. Hein. J'ai plus que deux candidats. La sellette, ça fait très peur. On ne peut pas être plus proche de la fin du concours que ça. Donc évidemment, il y a une grosse pression à ce moment-là. Si je suis choisi pour la dernière chance, ben c'est comme ça. Il faut que je donne tout pour revenir. C'est une épreuve sans filet. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on se rate, on rentre à la maison. Je vais envoyer Guillaume. Pourquoi ? Sur les dernières épreuves, ils ont travaillé en binôme, ils s'entendent très bien. Donc je suis obligé de remonter un petit peu au début et voir comment se sont déroulées les qualifications. C'est vrai que Guillaume est celui qui rentrait le plus difficilement dans le concours Top Chef. Mais c'est pas une punition, Guillaume. Hein. J'espère que tu comprendras. Et surtout, j'espère que tu vas tout donner parce que j'ai envie que tu restes. Samuel, je vous laisse retourner dans les vestiaires. Vous êtes qualifié pour la semaine prochaine. J'aurais préféré être qualifié, mais il m'a choisi. C'est à moi de montrer que j'ai ma place dans le concours et que je vais me battre jusqu'à la dernière seconde pour pouvoir garder ma place. Décision difficile pour vous maintenant, Jean-François. Je crois que c'est une première. Jusqu'à présent, vos candidats s'étaient qualifiés plus vite. Anissa, Baptiste, deux candidats, de très bons candidats. Quel choix? C'est la première fois que je suis sur la sellette. Malheureusement, on n'est pas 100% maître de son destin à ce moment-là. Et je stresse. J'espère vraiment que le chef piège ne me choisisse pas. Après, bon... Quoi qu'il arrive, je respecterai sa décision et sa décision sera la même. J'ai décidé d'envoyer Anissa en dernière chance parce que lors des épreuves précédentes, elle était toujours en binôme. Je veux aujourd'hui voir dans cette dernière chance chez Anissa cette capacité à s'exprimer. Baptiste, vous êtes qualifié et Anissa va donc pouvoir exprimer tout son talent seule et en dernière chance. Philippe, vous avez encore trois candidats. Les petits toux. Voilà, ils résistent, ils sont toujours là. Camille, Maël, Damien. Qui et pourquoi? Alors, Maël, tu as été deux fois en sellette. Tu avais des choses à prouver, tu l'as fait. Tu as pris un peu plus confiance en toi. Sur la dernière épreuve, Camille, tu as fait une très belle prestation. Tu aurais pu aussi passer. Donc de ce fait, Damien, c'est toi qui vas aller en dernière chance. Je sais que tu as les épaules pour continuer. J'ai confiance en toi, ok? Je sais que tu vas y arriver. Et c'est vrai que je me sens un petit peu stressé, mais avant tout, j'ai envie de gagner. Une dernière chance, c'est un moyen de s'exprimer, de cuisiner, de tout donner. Et faut faire en sorte d'être le meilleur. Et comme toujours, ces dernières chances se font à l'aveugle. Je vais donc demander au chef de quitter les cuisines. Allez, bon courage à tous. Allez, courage. Je compte sur toi. Anissa, Damien, Guillaume, vous connaissez le principe. Une heure de cuisine, un produit imposé, c'est la betterave. Tout le reste, c'est vous qui décidez. 3, 2, 1, go! Anissa, Damien et Guillaume ont seulement une heure pour sauver leur place dans le concours en proposant une entrée, un plat ou un dessert à base de betterave. Moi, j'ai grandi à la campagne. J'allais chercher mon ballon de foot quand j'étais gamin dans le champ de betterave. Donc c'est clair que ça me parle. Je vais travailler comme j'ai l'habitude de travailler, avec le cœur. Et puis voilà, j'espère passer, mais en tous les cas, j'aurai pas de regrets. La betterave, j'adore la travailler, donc j'ai envie qu'elle me rende l'appareil aussi, je lui fais confiance. Mon idée de base, c'est vraiment de mettre la betterave au centre de l'assiette et qu'il y ait quelques éléments qui viennent faire la différence. Prêt, bon courage à tous. Je vais réaliser une crème de betterave qui sera acidulée, un pavé de betterave rôti au beurre et à l'ail, un tartare de canard qui envoie bien du peps avec pas mal d'échalotes, pas mal de fenouil, un carpaccio de betterave, et je vais réaliser un bouillon classique à base de légumes. Pour le croustillant, je pars sur des pommes de terre soufflées. Le but, c'est de travailler la betterave en plusieurs textures. J'espère que ça va le faire. Alors, je commence à lancer le bouillon parce que c'est important. En une heure, il faut qu'il y ait le temps que les arômes se diffusent bien dans le jus. Je prends des carottes, du céleri branche, un oignon, un petit peu de thym, un petit peu de laurier et un poireau. Je mets tout ça dans de l'eau. Je laisse bouillir environ 15-20 minutes. Une fois que mon bouillon, avec la garniture classique, a cuit, je le réserve. Et je décide de m'attaquer au jus de betterave. Donc, on va centrifuger des betteraves crues pour extraire le jus. Ensuite, je fais le mélange et le bouillon, je vais le trancher avec un beurre noisette. Ce bouillon, je veux qu'il envoie du peps. Donc pour le beurre noisette, alors il faut rester devant au maximum parce qu'on a vite fait de le faire brûler. En fait, ça se joue vraiment en très peu de temps. La noisette, c'est un côté qui est torréfié, qui est bon, on a envie d'y retourner. Ça ramène un côté gourmand. Le bouillon, c'est bon. Je décide de m'attaquer à la betterave, donc au pavé de betterave que je vais faire rôtir au beurre. Guillaume? Ouais. T'as une betterave crue pour moi ou pas? Il t'en reste une? Ouais, ma gueule.
Hop là. Merci beaucoup, Lou. Je taille des betteraves à l'emporte-pièce. Je les lance dans un beurre mousseux avec le thym et l'ail. Le goût des terreaux de la betterave, on va essayer de l'atténuer au maximum. Volontairement, je vais faire en sorte que ça accroche et que ça brûle, même dans le fond, pour amener un côté un peu brûlé, mais sans avoir l'amertume. Comme ça, on camoufle le goût terreau de la betterave. Allez, aujourd'hui, il faut tout donner. C'est pas le moment d'abandonner. Ensuite, je décide de m'attaquer aux pommes de terre soufflées. J'ai envie de les garnir avec une mousse de betterave. Ce qui est important, c'est de prendre une bonne pomme de terre. L'astuce, c'est d'avoir des températures justes, une coupe qui est nette, et toujours bien remuer son huile. Il faut toujours avoir un mouvement pour faire en sorte qu'il y ait une vague qui se crée dans la friteuse pour que la pomme de terre soit constamment sous l'huile. Là, on a des petits ballons qui se forment. C'est pas terrible, on a déjà mieux fait. Je suis stressé. Je sais que dans Top Chef, si on envoie quelque chose de moyen, ça sert à rien. Je préfère réagir et changer de préparation. Je prends mes parures de pommes de terre, je les râpe et je fais cuire dans la friteuse. Et donc on va avoir quelque chose de croustillant mais en morceaux. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup moins technique que la pomme de terre soufflée. Mais au moins le résultat me va. Je vais me concentrer, c'est les dernières touches. Le visuel, il compte quand même énormément. Je mets un jaune d'œuf. C'est plus pour un côté un peu plus lisse, un peu plus matière grasse dans cet envoi et dans le bouillon qui va ramener pas mal de peps. Je me sens stressé, je me dis que c'est la dernière ligne droite. J'espère que vous êtes en forme les gars, parce qu'aujourd'hui moi je vais rien lâcher. Je suis vraiment contente de pouvoir travailler toute seule. J'ai surtout pas envie de perdre. Je suis hyper focus sur ce que je dois faire, je suis hyper concentrée. J'ai vraiment envie de tout donner pour cette épreuve. Ouais, la betterave, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, j'aime vraiment la travailler. Après la sac en une heure, c'est un peu hyper charrette au niveau du temps. Je compte préparer comme une fleur de betterave. Donc, je vais prendre des fines lamelles de betterave de différentes couleurs et je vais les faire en marinade de pickles. Ensuite, au centre, je vais faire un tartare avec un peu de poire et différentes betteraves. Et sur le dessus, je vais faire une mousse à la betterave avec un peu de jus citron jaune et de jus citron vert. Bon, c'est des goûts que je connais quand même pas mal, donc je suis pas du tout inquiète du résultat. J'en fous partout en fait. En fait, le thème de l'épreuve, c'est la betterave volante. Du coup, je fais des copains qui volent dans tous les sens. Pour cuire mes fines lamelles de betterave, je fais deux marinades différentes. Donc, j'en fais une avec de l'eau, du vinaigre de cidre et un peu de sucre. Et sur une autre casserole, je prends de l'eau, du sucre et du vinaigre de framboise. Et je verse directement la marinade très très chaude sur mes tranches de betterave. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire des goûts un peu sympas pour oublier un peu ce côté architerreux que peut avoir la betterave. Ensuite, je mets mon jus de betterave dans une casserole avec un peu de feuilles de menthe, du jus citron jaune et je fais légèrement tiédir au coin du feu pour le faire un petit peu réduire. Putain, 36 minutes, c'est chaud. Il y a un truc qui brûle, allons. D'un coup, j'entends la Myriam dire « Attention, la casserole est brûlée !» Là, je me retourne, je vois que c'est ma casserole, je me saute dessus. Oh, je suis la merde. La Myriam, je trouve ça vraiment très très cool de sa part d'avoir réagi comme ça. C'est archi stressant. Faut vraiment que je recommence ma préparation. Là, la pression monte un petit peu parce que il reste vraiment plus beaucoup de temps. C'est hyper charrette au niveau du temps, mais je vais vraiment tout faire pour gagner aujourd'hui. Je vais me mettre sur un feu beaucoup plus fort. J'ai pas le choix, j'en ai vraiment besoin là maintenant. Je me dis, mais vraiment, motive-toi. Je refais exactement la même recette. Pendant ce temps, je taille mes betteraves en brunoise. Je prends une poire et je la coupe pareil en brunoise et je mélange tout ça. Ça se marie super bien avec la betterave, ça va juste être super bon. Donc je choisis de mettre de la poire. C'est un plat salé que je fais, mais avec des goûts un peu sucrés. La poire, ça va apporter un peu ce côté acidulé à cette petite brunoise. Ça soit vraiment quelque chose de hyper frais et surtout qui pète en bouche. Mon jus de betterave, c'est bon, il est fait. Il va falloir juste que je m'appuie un petit peu sur le dressage, mais tout va bien. Je vais vraiment faire quelque chose de très beau visuellement. C'est mon côté super artistique. Je mets une bonne cuillère dans l'assiette et là je le tape pour vraiment que ça éclate dans l'assiette et que c'est vraiment le visu d'un tableau. Je suis hyper contente du résultat parce que c'est quelque chose qui me correspond. C'est plutôt beau, après il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, donc il va falloir vraiment que je m'active. La couleur est géniale, je suis vraiment hyper contente du résultat. C'est les jeunes qui vont gagner, c'est moi qui vais gagner aujourd'hui. J'ai mon mental qui suit, j'ai mon physique qui est là. Voilà, j'ai peut-être pas un physique d'athlète de haut niveau, mais en tout cas, je sais courir sur un terrain comme dans une cuisine. Donc, j'ai donné toutes les sueurs de mon corps pour gagner cette épreuve. Ouais, je me sens bien, la betterave, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Il y a plein de façons de travailler la betterave, donc c'est un produit intéressant. Et on peut l'accommoder avec des choses sympas. Donc, moi, ça me parle et ça m'intéresse. Donc, mon assiette, ça va être une gelée de betterave en fond. Et dessus, un tartare de betterave cru et cuite avec un peu d'algues. Des chips de betterave. Et à côté de ça, je vais faire une crème de poisson fumé. Il y a pas mal de travail engagé encore aujourd'hui.
Je commence par trancher de la betterave rouge finement à la machine à jambon pour réaliser des chips de betterave. C'est la première chose que je dois faire. Ça va me prendre un peu de temps à cuire. Là, je mets ma betterave dans le sirop pour qu'elle s'imprègne de sucre. Après, je les cuire au four. Je sais pas si j'y crois à la victoire, mais en tout cas, je vais tout donner pour. Je vais me battre pour revenir. Même si j'ai envie de voir ma femme, je veux pas partir aujourd'hui parce que j'ai pas encore eu le temps de montrer toutes mes capacités. Donc, je pense qu'elle sera pas contente de me voir tout de suite. Une fois que les chips sont mis dans le four, j'épluche mes betteraves rouges. Là, je prépare mon tartare de betterave. Ça va ramener encore une texture. Donc je taille ça très très fin, j'y additionne un peu d'algues, un peu de ciboulette et j'assaisonne avec un peu de jus de yuzu et de vinaigre de vin rouge. Et quand les chefs ils vont mettre ça en bouche, ça va exploser quoi. Je veux pas passer sur une erreur des autres, je veux passer sur une victoire propre, nette et précise. Donc j'espère que les chefs vont ressentir ma personnalité quand ils vont déguster mon plat. Ça va être une cuisine un peu jazzy, à la Alphonse Brown un peu. Alphonse Brown, c'est moi aujourd'hui, la culture de la betterave elle est pour moi. Hein. Alphonse Brown. La culture de la betterave. Voilà, je vais fumer ma dorade. Le côté fumé avec la betterave, c'est quelque chose qui marche très bien. La mousse de poisson fumé dans l'assiette, c'est ce qui va amener un peu de gras, accompagner la betterave qui va être un peu légère, un peu douce. C'est le truc qui payera dans mon assiette, donc il faut que je le fasse. C'est vraiment primordial pour mon assiette. C'est pas mal, on est plutôt bien. Mon poisson. Une fois qu'il est fumé, je viens le mixer avec de la mascarpone et un peu de crème fraîche pour garder une onctuosité et un crémeux qui va être intéressant pour ma recette. Toutes mes préparations sont prêtes. Je mise sur les textures, sur le goût. Je mise aussi sur un beau dressage, là, faut pas partir aujourd'hui. Je sais pas si ça va faire la différence, mais j'essaye de m'appliquer sur le dressage. Et avec le cassoulet, c'est moi qui avais dressé, là, j'ai pas droit à l'erreur. Donc il faut qu'au visuel, ça marche tout de suite. Le visuel est super important, donc... Allez, dernière minute de cette dernière chance. La fin est peut-être bien proche pour moi, donc ça me donne envie de m'appliquer encore davantage. J'ai vraiment donné mon maximum pour pas décevoir les chefs. 30 secondes. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre ici, peut-être dans Top Chef, donc il faut que je profite. Et comme ça, j'ai pas le choix. J'espère que ça va le faire. Putain, mais ça vit, 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 putain, accélère. Allez, deux d'entre vous vont se qualifier et un va être éliminé. Non, aujourd'hui, c'est pas moi qui pars. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Les jeux sont faits et les chefs vont maintenant déguster à l'aveugle les assiettes des candidats au risque d'éliminer l'un des membres de leur propre brigade. Trois assiettes à base de betterave. On commence par la première, betterave et bouillon. Cette assiette que j'envoie en dernière chance, elle me ressemble parce qu'on a des goûts francs, on a quand même pas mal de betterave. Moi, j'ai préféré faire quelque chose de pas consensuel, quelque chose de vif. J'espère être dans le thème, j'espère réussir à les convaincre. Hélène, visuellement, est-ce que ça vous plaît ? Je pense qu'on peut faire un peu mieux. On peut faire un peu mieux. Philippe, est-ce que vous êtes d'accord ? On peut toujours faire mieux. Oui, bien sûr. Je trouve l'assiette plutôt moderne. C'est pas déplaisant, en tout cas au visuel. Ce qui va être important, là, c'est le goût, pour le coup. Voilà. Je te casse un peu, là. Il y a un œuf, un noir, quoi. Comme un petit lait de poule. Jean-François ? Non, mais c'est bon, hein. J'aime bien parce que il y a plein d'histoires dans cette assiette. Il y a beaucoup de gras, et si on mélange tout, il y a l'émulsion qui se fait. Et là, il y a un goût différent qui apparaît. Je dois avouer que je suis pas fan des betteraves. Et que là, c'est une assiette assez gourmande, pleine de textures, des goûts bien marqués. C'est quand même très, très réussi, je trouve. Oh, c'est génial. Ça vient du Nord, la betterave, donc j'espère vous la faire aimer. J'adore le petit beurre noisette qu'il y avait sur ce bouillon. Ça ramène une petite note vraiment très particulière qui se marie parfaitement bien avec le bouillon de betterave. C'était le but. OK. T'es juré séduit, en tous les cas. On passe à la suite. Je suis plutôt satisfait de mon envoi. Après, il reste deux assiettes à être dégustées. On verra par la suite. Voici fleur de betterave. Je pense que ma force, c'est vraiment tout ce qui est dressage. Donc, je suis vraiment contente de mon assiette. J'ai fait la fleur que je voulais, le dressage que je voulais, et on verra bien. Philippe, c'est un style. C'est vrai qu'il y a un travail méticuleux dans la présentation, mais qui est plus dans l'approche d'un peintre que d'un cuisinier, finalement. Ah, peut-être que je pourrais changer de vocation si je viens de pas gagner Top Chef, pourquoi pas. On a une fleur qui est un peu abstraite, pourquoi pas. Ah, ça, c'est mon chef.
C'est une assiette qui est très fraîche. On n'a pas le côté terreux de la betterave. Il y a une association avec le fruit, c'est de la poire, je pense, qui est pas inintéressante. Ouais, poire. Finalement, peut-être que le candidat ou la candidate a voulu faire comme une salade de fruits. Moi, j'aime bien cette petite acidité, c'est vrai, qui est bien présente. Michel. La betterave a beaucoup de personnalité quand même, donc, et c'est le thème en plus, donc il faut qu'on la retrouve. Pour le coup, on la retrouve. Hein, moi, c'est une assiette que j'aime bien. C'est une assiette qui est une assiette de cru, en fait, totalement fraîche, mais elle est très bonne, très agréable. J'ai vraiment fait ma cuisine, j'ai fait vraiment le dressage qui me correspondait et je suis plutôt contente. Allez, on passe à l'assiette suivante. La betterave en toute simplicité. L'assiette, elle peut plaire au chef avec tout le travail que j'ai mis dedans, les textures que j'ai voulu apporter, le cru, le cuit, le moelleux, le fondant, le cassant, la chips, voilà. Donc tout ce que j'ai voulu mettre en œuvre, ça sort comme je le voulais. Mais j'espère qu'en tout cas, c'est l'assiette qui me fera continuer dans le concours. C'est une fausse simplicité, en fait, exactement. Cette assiette. C'est une fausse simplicité. J'ai dit betterave en simplicité exprès pour les interpeller. Moi, je dis chapeau pour le travail. Ah oui? Une heure. Chapeau. Visuellement, c'est assez précis. Je suis content. Cette fois-ci, il ne va pas m'éliminer au visuel. Moi, j'ai envie de la goûter, ça, c'est sûr. Ils n'ont pas encore trouvé les surprises avec le poisson fumé et les algues, donc j'attends de voir la dégustation. Cette petite brunoise-là, qui, elle, est un petit peu acidulée, il y a un goût qui m'a un peu perturbé. On est très dans le vinaigre aussi. Ça marche bien, la gelée de betterave. Quand on goûte juste le travail sur la betterave, on dit « ouais, c'est pas mal, c'est sympa ». Mais alors, dès qu'on met la petite mousse fumée... Le fumé, là. Ouais. Voilà, le fumé, ils l'ont trouvé. Ça booste le plat. Ça booste le plat. Mais sans faire oublier la betterave. Ouais, je suis content. Ils le ressentent dans l'assiette, c'est important. François ? Il s'est trompé sur le titre, le candidat. Ouais. C'est pas betterave en simplicité, c'est betterave en complexité. Elle est très complexe, cette assiette. Mais elle est très bonne. Hélène ? J'aime beaucoup. Je salue le travail qui a été fait. Chef, je vais vous laisser réfléchir au verdict et on se retrouve avec les candidats. Les candidats déjà qualifiés pour la semaine prochaine sont derrière leur chef de brigade, sont en danger cette semaine, Guillaume, Anissa et Damien. Le thème de cette dernière chance, c'était la betterave, un thème qui a inspiré nos candidats, Jean-François. Moi, j'ai passé une dernière chance de rêve, parce que manger de la betterave à ce niveau-là, c'est ce que j'attendais. J'ai tout donné, j'ai fait l'assiette que je voulais faire. Maintenant, rien n'est joué, parce qu'il y a du niveau à côté. Damien et Anissa, c'est pas des lapins de 3 semaines, donc il y a encore une épreuve à passer, c'est le verdict. Il y a eu un coup de cœur des membres du jury, Philippe Etchebest. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a eu une assiette qui m'a fait vraiment aimer la betterave. C'est vrai que quand j'entends qu'il y a un coup de cœur, en plus, Philippe Etchebest, c'est quand même mon chef de brigade, ce serait une vraie fierté d'être son coup de cœur aujourd'hui. Alors, c'est la betterave et bouillon. Qui a fait ça? C'est Damien. Eh ben voilà! Bravo, Damien! Comme dirait Thierry Roland, on peut mourir tranquille après ça. Hey, c'est bien, le petit. Allez. Sont donc en danger cette semaine Anissa et Guillaume. Hélène Darroze, je vais vous demander de nous donner l'intitulé du plat que les membres du jury ont sélectionné et donc qualifie pour la semaine prochaine. C'est la betterave en toute simplicité. Bravo. C'est Guillaume. Je vois que Michel Sarron souffle. Ah oui, pour plusieurs raisons. Hein. D'abord, je le trouvais un peu seul derrière. Et puis la deuxième raison, c'est parce que Guillaume nous a montré un peu plus ce dont il était capable. Il a fait beaucoup de boulot. C'est payant. Bravo. Guillaume, je vous laisse réintégrer la brigade de Michel Sarron. Super garçon, super boulot, super boulot. Anissa, vous l'avez compris, vous n'avez pas réussi cette dernière chance. Désolée de t'avoir déçu, chef. Mais je suis déçu pour toi, je suis pas déçu pour moi. Moi, tu m'as pas déçu. Jean-François, pourtant, l'assiette d'Anissa n'est pas ratée, loin de là. Non, elle n'est pas ratée, mais aujourd'hui, elle a pris un parti qui n'était pas celui qu'il fallait prendre pour gagner. C'est triste, parce que ce qu'elle nous a apporté durant les différentes épreuves était extrêmement important. Tu étais la coéquipière rêvée. Je pense que tu vas beaucoup nous manquer. Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas su démontrer vraiment ma cuisine et faire vraiment ce que je voulais. Et ouais, je suis un peu déçue. Après, bah voilà, c'est le jeu. J'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Et... Pardon. Excusez-moi. En être arrivée là, Anissa, tu peux être fière de ce que t'as fait. Merci, chef. C'est dommage de te voir partir parce que t'es quelqu'un qui a du tempérament. Je pense que t'aurais pu t'imposer davantage dans ce concours. J'ai perdu aujourd'hui, je quitte le concours et c'était... Voilà, je voulais vraiment gagner Top Chef et voilà, j'ai beaucoup de... Ouais, beaucoup de déceptions suite au résultat des chefs.
J'ai trouvé les motifs, en fait. Anissa, bravo pour votre parcours. Merci d'avoir été avec nous, avec votre belle personnalité et votre belle énergie. Merci. Merci Anissa. Beaucoup. Allez. Non. Surtout, ne la perds pas, ta personnalité et ton caractère. T'as fait le job. C'est tout. Ok. J'ai rien fait pour toi. Hein? Ouais, merci, chef. Merci beaucoup. Bonne chance à tous. La semaine prochaine, c'est un véritable événement dans Top Chef. Vous allez vivre une épreuve unique. Parce que le chef qui va arriver maintenant est exceptionnel. Voici Paul Perret. Bonjour tout le monde. Pour la première fois dans l'histoire du concours, ce chef avant-gardiste, sacré meilleur restaurateur du monde, nous fera l'honneur de sa présence. Moi j'ai les yeux qui s'illuminent parce que voilà, c'est une idole quoi. Son restaurant est à Shanghai, mais son adresse est tenue secrète. Personne ne sait où il se trouve exactement, excepté un chauffeur qui amène chaque soir 20 heureux élus dans son mystérieux établissement. Et s'il est complet plus de 6 mois à l'avance, c'est qu'il fait vivre à ses clients une expérience hors du commun. La dégustation a lieu dans une salle high-tech avec des projecteurs d'images, d'odeurs et de sons pour immerger ses clients dans l'univers personnalisé des 22 plats de son menu. Paul Perret, il est complètement conceptuel. Voilà, il a des idées de dingue et ça risque d'être extraordinaire. Pour se qualifier, les candidats vont être confrontés à l'épreuve la plus incroyable des 10 saisons confondues, puisque Paul Perret va les défier sur l'une de ses spécialités, le plat miroir. Deux assiettes visuellement identiques, sauf que l'une est salée et l'autre est sucrée. C'est le contraire de l'épreuve facile parce que c'est une épreuve qui a l'air facile mais qui ne l'est pas. Les candidats devront aussi faire face à une épreuve incontournable, celle des enfants. Et pour cette 10e saison, elle sera pleine de surprises, car les enfants seront plus exigeants que jamais. On aimerait bien du sucre soufflé. Ah, ça c'est compliqué, hein. Ils sont un peu connaisseurs quand même. Et ce que les candidats vont découvrir lors de la dégustation, c'est que leurs parents sont des meilleurs ouvriers de France. Oh, putain. Et qu'ils seront eux aussi jurés de cette épreuve. C'est quoi ce délire? Là, ça va être chaud. Au terme de la soirée, un chef éliminera sans le savoir un des candidats de sa brigade. Oh putain, là, c'est dur. Alors, quel sera le prochain chef à perdre l'un des siens ?